Hello! Salut à toutes et à tous! Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de stream depuis. Je suis désolé du manque de streaming depuis. J'ai pas pu faire un streaming il y a fort longtemps. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que bah depuis j'avais un petit peu la flemme. Je vais pas vous le cacher, j'avais un peu la flemme de faire du streaming. Mais cet après-midi, maintenant, on va passer un bon stream sur un jeu que j'avais envie de vous faire montrer. Et puis d'ailleurs, en plus, je vais beaucoup en parler. Et sans plus attendre, on va déjà commencer par là. Hello Dark Side Pony. Je vais déjà lancer le jeu sans plus attendre. Donc je vais essayer. Alors attendez, il faut aussi que je règle le chat côté. Hop. Je vais régler le chat en même temps. Voilà. Bon, le son. Merde, le son est un peu fort, non? Ok. Où est-ce que je vais mettre ça? Voilà, ça va être mieux là. Alors, vous aurez remarqué maintenant, l'écran est beaucoup plus large. Ça, j'ai réussi à régler ça sans souci. Normalement, c'est mieux de faire en carré. Je peux le comprendre. Mais ouais, peut-être que je vais laisser comme ça, je sais pas trop. Par contre, ouais, je vous cache pas que le son est un peu fort pour moi. Voilà. Donc aujourd'hui, merde. Oula, j'ai fait une connerie. J'ai crash le jeu, attendez. Ouais, non, je vais laisser comme ça. Donc aujourd'hui, c'est Half-Life Blue Shift qu'on va s'attaquer. J'avais vraiment l'envie de faire ce jeu et on va le faire en mode A à Z. Pour ceux qui ne connaissent pas vraiment l'histoire de Half-Life Blue Shift, c'est une extension de premier Half-Life et qui est sorti en 2001. Et aujourd'hui, bah, c'est le jeu il dure pas très longtemps. Et aujourd'hui, bah, sans plus tarder, on va commencer la partie. On va le mettre en mode difficile, tiens. C'est parti. D'ailleurs, pourquoi j'ai choisi Blue Shift? Parce que justement, on va parler de on va faire des pro enfin, je vais faire ce projet sur de ce jeu. Alors attendez, pour assurer le truc, on va faire pour avoir une meilleure performance, on va faire du 120. Dites-moi si le stream il marche bien. Voilà, là ça va être mieux comme ça. Oh putain, merde. Excusez-moi, la sensibilité est un peu dégueulasse. On va le mettre à 8. Ouais, c'est mieux comme ça, ok. Alors oui, comme j'ai dit, Black Mesa Blue Shift est un mode, enfin est une extension de Half-Life qui était prévue à la base pour la Dreamcast à cette époque. Sauf qu'en fait, la Dreamcast avait refusé le contrat pour un mode sur enfin pour avoir un jeu sur de Half-Life sur Dreamcast. Et malheureusement ce jeu n'a pas pu être possible. Donc c'est pourquoi en fait il est sur PC et les gens disent ouais mais c'est pas possible, c'est inutile, c'était inutile de faire une extension en plus. Si Opposing Force a bien marché, pourquoi ils mettraient un Blue Shift et que le jeu est moins mieux que celui de Opposing Force. Mais en gros c'était une exportation de la Dreamcast et malheureusement ça n'a pas été accepté et bah du coup on l'a sur Blue Shift. Alors vous en remarquerez que pour certains, ceux qui s'y connaissent bien dans Half-Life, je n'ai pas utilisé le pack le pack HD des modèles parce que j'aimais bien garder ce petit côté classique. Moi ça me plaît. J'espère que le son il est pas mal, ouais. Si c'est assez fluide quand je fais ça. Si votre destination est une zone de sécurité située après le secteur C, vous devrez emprunter une rame. En vrai, je suis pas très très fan du point de vue. Alors, attendez. Je fais vite, hein. On va mettre en 100, voilà. Ah, c'est mieux comme ça. Donc vous voyez, en fait, les modèles sont pas tip top, mais j'avais envie de garder ce petit côté classique à l'ancienne.
Bien que justement, en fait, Blue Shift était aussi plus un. Ils ont conclu ça comme. S'il fallait. Enfin, vu qu'il n'était pas mis sur Dreamcast, ils ont considéré ça comme une espèce d'extension de haute qualité. Bon, on ne l'a pas, mais c'était pour montrer qu'on peut avoir une bonne qualité qui pouvait être compatible avec les extensions, l'extension Opposing Force et évidemment Half-Life. C'est marrant parce qu'on incarne Barney Calhoun qui est fan des bières. Sauf que moi justement j'ai la tourtelle twist. Tourtelle botanique, je veux dire. J'en sais rien. Avec des amis comme vous. Hey Calhoun. Hey Calhoun. La journée va être longue aujourd'hui. Oui. Amusez-vous bien Calhoun. Vous de même. Cette rame va désormais emprunter. Donc pour ceux évidemment qui connaissent, ouais, c'est Yeah, we're gonna make a speedrun. Don't worry about that. Non, on va pas. I don't want to make a speedrun. I just made a chill game. But it in hard. Oh. D'ailleurs, regardez une petite anecdote. Pourquoi est-ce que la lumière elle va s'éclater? Parce que dans le premier Half-Life, il y a pas de lumière ici. Et voilà pourquoi? Parce que dans le premier Half-Life, regardez. Hello Gordon, it's good to see you. C'est là que ça va commencer le premier Half-Life quand on joue. Ce qui était marrant, c'est qu'à l'époque, dans le premier Half-Life, en fait, le personnage qu'on voit dans Half-Life 1, qui est ici à la porte, n'était pas supposé être un personnage jouable. C'est pour ça qu'en fait, il y a quelques défauts de cohérence ou un truc comme ça, mais. Franchement, ça va, c'est pas pire, quoi. Bon, allez, ouvre-moi la porte. Ouvre la porte. Attendez une minute. Le contrôle d'accès ne vous reconnaît pas. Je vais voir si je peux ouvrir la porte de mon côté. Open the door, please. Hello, Gordon. See you in another side. Ok, je crois que c'est bon. C'est fait exprès depuis le moment où il on le voit plus, il est plus là. La porte s'ouvre. Désolé, Calhoun. Depuis ce matin, nous avons tout un tas de problèmes. Ah bah. Les ordinateurs plantent, les systèmes de sécurité ne fonctionnent pas correctement. C'est un miracle que nous ayons encore de l'électricité. C'est vrai? Ah, oh, j'avais pas vu qu'on avait d'électricité partout. Oh, le sarcasme. Désolé, j'aime pas être sarcastique. E-Particule Lab. Ah, c'est notre heure de travail. Nous, au moins, on est à l'heure, contrairement à Gordon. Ah oui, attendez, on va le trigger, regarde, attention. Calhoun, vous savez bien que vous ne pouvez pas prendre votre service sans votre uniforme et votre arme. Bah oui, parce que ce qui est bizarre, c'est que dans le premier Half-Life, vous avez déjà la veste et la lampe et le casque. Alors que normalement, vous n'avez juste que le costard, vous n'avez pas votre veste, vous n'avez pas votre blouse de gilet, enfin votre gilet pare-balles quoi, ni votre casque. Là, vous êtes complètement nu, enfin vous êtes avec un joli costard, je rappelle. Bon, c'est vrai que ça a vachement vieilli, mais bon, c'est 2000 ans. Je commençais à me demander si vous viendriez ce matin, Calhoun. Bah, je suis là. Ouais, je sais, les ascenseurs ne fonctionnent pas bien. J'espère que vous êtes prêts à faire des heures sup. Ah bah j'espère que je suis payé aussi hein. Et j'ai intérêt à avoir un SMIC gonflé hein. Bon bah ok, attends. Le personnel. Attends. Oh, ça c'est magnifique, regardez vous marchez là, ça fait. Ça c'était impressionnant pour l'époque. Vous ne devriez pas être en service. Bah c'est ce que je vais faire. Je voulais juste te dire sauter bonjour. Décembre, mois de décembre, ils sont déjà dans le calendrier de décembre. Donc ceux qui disaient que c'était au mois de mai, oui je parle tout seul. Pour ceux qui disaient quoi qu'on était au mois de mai dans la cascade de résonance commençait le mois de mai, bah non, détrompez-vous, on est au mois de décembre. Je suis un peu occupé là, Calhoun. Vas-y, lave-toi tes mains. Alors matez-moi parce qu'à l'époque quand même, fallait se dire. C'était, on était à la sortie de, bah il y avait la sortie de Windows 2000 à cette époque. Et donc quand tu voyais un jeu comme ça, tu fais waouh, et ton PC le faisait tourner.
C'était prodigieux à cette époque. Tu faisais ça, c'était vachement impressionnant, quoi. Hello, Kaloun. Alors, la vérité à propos des aliens, c'était un conspirationniste, vous en rendez compte. On va repasser ici, vous allez voir vite fait, après. Ça, je sais plus qui c'est cette meuf, c'est une meuf des développeurs, dans la team des développements, des développeurs. Comment elle s'appelle? J'ai plus son nom. Je pourrais plus trop savoir. Attends, ça, je peux activer ça? Non. Non, non plus. Ah, j'ai cru que j'avais un bug là-dessus. Fermé pour ordre. Ah oui, attendez. Faut que je vous montre un truc. Est-ce qu'on le voit d'ici? Ah! Vous voyez le petit easter egg ou pas? On voit une tête là. Je sais pas d'où elle sort cette tête, mais elle est marrante. C'était impressionnant de faire ça à l'époque. Hein. Bon, ouais, je vais éteindre, hein, voilà. Ah, ça s'éteint tout seul, ok. Mais c'était pour vous dire à l'époque le niveau de détail. Franchement, même moi quand j'étais petit, j'avais pas joué à ça. J'avais pas joué à Half-Life Blue Shift. J'avais joué aucun Half-Life. J'étais sur Midtown Madness 2 à l'époque. Et en fait, quand le jeu était sorti, c'est vrai que c'était une claque au niveau des détails, tous les petits détails qu'on pouvait apporter. Il y a encore des jeux malheureusement qui ne le font pas, ce genre de détails. Hein, et hélas, même encore en 2021. Oh, qu'est-ce qui se passe maintenant? On dirait que plusieurs personnes ont des problèmes avec l'ascenseur principal du secteur G. Pourquoi n'allez-vous pas sur place voir si vous pouvez faire quelque chose? À l'ascenseur? Oh bon, on ira à l'ascenseur. Je ne peux pas accéder à mes fichiers. Je ne peux pas répondre à mes emails. Baisse dialogue. Je n'ai même pas pu entrer dans mon bureau. Je sais, monsieur, je sais. Nous faisons tout notre possible pour résoudre ce problème. Laissez-nous seulement le temps de... Du temps? Ah, je n'ai plus de temps. Si je ne peux pas rendre mon rapport à l'administrateur dans l'heure, je vais perdre mon boulot et je ne serai pas le seul au chômage. Ah, mais c'est le truc que j'aime pas dans la VF. Ils ont vraiment pas respecté la VF. Genre, le mec, les gens, à l'époque, quand ils faisaient le doublage en français, on leur a dit, tiens, regardez, voilà, lisez ça dans votre micro et puis c'est bon, allez. Parlez comme ça, on pense à tout. Ah, qu'est-ce qu'il y a dans le jeu? On s'en fout. Lisez ça, vous êtes payé pour ça. Bah, à l'époque, ça marchait comme ça. Il n'y avait pas encore le grand succès du... ouais, il fallait faire la synchronisation, etc. Ils se disaient, ouais, c'était juste un jeu vidéo, quoi. Parce que personne n'allait lire la version VF, donc c'est pour ça. Ils partaient déjà du principe, peut-être, que la VF était pourrie. Armurerie, oui, il fallait chercher notre arme. Vidéo surveillance, je veux bien aller voir vite fait. Ça, c'est bien d'avoir enfin accès à des trucs comme ça, quoi. Moi, je sais que en tant que Gordon Freeman, en tant que scientifique, t'as pas accès à ce genre de choses. Ouais, en gros, voilà, c'est là où on doit aller. Vous avez remarqué en bas à gauche, là, il y a le filtre qui dépasse là, sur le mur, là. C'est vraiment marrant, ça. Bonjour, Gordon. Hello, Gordon. Good morning, Gordon. En plus, c'est marrant parce que ça, j'ai fait ça sur Source Maker. Et je m'en servirai quand on me filtre plus tard. Et là, actuellement... Ah, il y a Gina Cross, ouais. Ça, Gina Cross, alors ça, c'est un perso que de base, quand c'était sorti, le Blue Shift, il n'était pas jouable, ce personnage. Et quelques mois après, ou je sais plus quand, en tout cas, le jeu Half-Life Decay était sorti sur PlayStation 2. Et on pouvait y jouer. Et à l'époque, ouais, elle n'était pas considérée comme un personnage jouable. Mais là, en plus, pour vous dire, j'avais fait cette scène-là. Et là, maintenant, je suis en train de faire cette scène-là sur map, sur Source Maker. J'ai déjà fait l'animation de Gina Cross qui marche avec le chariot avec qui porte le cristal. Et ensuite, après, je l'ai... Le problème, c'est que je n'ai pas la map. Donc, du coup, il faut que je me débrouille pour l'avoir sur Source, quoi. J'avais demandé à quelqu'un, mais j'ai pas eu de nouvelles depuis, quoi. Parce que oui, pour ceux qui ne savent pas, je suis en train de faire la scène de... oui, c'est dommage que vous n'ayez pas passé à côté, quoi. Merde. Que je suis en train de faire une vidéo sur SFM de Half-Life Blue Shift. Comment on va? Et là, évidemment, il n'y a pas eu d'exportation de Half-Life Blue Shift sur Source. Et ça pose un problème.
Vous n'êtes pas inscrit sur le tableau d'entraînement au tir pour aujourd'hui, mais si vous vous sentez d'attaque, allez-y. Oui. J'ai bien envie de tirer, mais bon, c'est bon, je sais ce que c'est le Glock 24. Attendez, je vais faire un truc. C'est facile, regarde, tu... Ah ça va, il tire bien, regarde. Je tire partout sur le mur. Qu'est-ce que tu fais, toi? T'as vraiment faim, toi, aujourd'hui? Je vais prendre tous les chargeurs. Attendez, j'ai envie de faire un truc marrant. Ça va, t'es... Vous êtes dingue. J'adore comment on peut trigger le PNJ en faisant ça. Attends, je vais réessayer. Aïe! Connard. En même temps, je suis allé tellement vite, je l'ai tapé à la tronche. Ah oui, attendez, il faut que je vous montre quelque chose. Un petit easter egg à nouveau. Déjà, je vais pas passer par là. On est assez fair play, on va passer à côté. On va retourner dans les vestiaires, vous allez comprendre. Vous vous souvenez, vous vous en souvenez, il y avait une espèce de petite boîte. Dans cette petite boîte se trouvait quelque chose de particulier, et c'est pour ça que nous allons y retourner. On a laissé le casier ouvert, hein, c'est pour dire. Allez, en faut des balles. Hein. Bah, il se pète ou pas? Bon, c'est pas grave, j'ai pas envie de tout casser pour l'instant. On le verra une prochaine fois, au pire. Hop. J'ai remonté là-haut. Là, en plus, d'ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que le problème, c'est que les scientifiques n'ont pas du tout les mêmes voix comparées à ceux du premier Half-Life. Et du coup, ça ferait vraiment une grosse incohérence dans les voix. Écoutez. N'avez-vous rien de mieux à faire que de m'empêcher de faire mon travail? Je croyais que votre travail consistait à surveiller la machine à café. Vous ne devriez pas être de faction quelque part? Excusez-moi, mais je suis vraiment occupé. Pourquoi les agents de sécurité sont-ils toujours aussi pénibles? Ce n'est pas le moment de me déranger. Oh, le changement brutal, il a haussé le ton. C'est pas le même personnage, forcément. Laissez-moi seul, s'il vous plaît. J'ai un travail important à faire. T'as faim, quoi? Pourquoi les agents de sécurité sont-ils toujours aussi pénibles? Bah, vas-y, c'est bon, c'est quoi ce privilège, là? Espèce de scientifique pourri, va. Amusez-vous bien, Calhoun. Avec 4 balles, maintenant, je vais pas aller loin. Si j'aurais pu demander des munitions... J'ai tout gaspillé dans un carton. D'ailleurs, à savoir que je crois que les développeurs qui sont... Enfin, il y a des développeurs qui sont en train de faire un mode sur Black Mesa qui s'appelle Black Mesa Blue Shift, qui n'est pas un mode officiel parce que normalement, les gens qui sont censés faire Blue Shift s'appellent la team Tripman Studio. Et actuellement, on n'a aucune image pour l'instant de ce jeu. Mais en fait, il y a une autre équipe qui s'appelle EQ Collective qui sont en train de faire justement le mode Black Mesa, enfin qui sont en train de faire le mode Blue Shift, mais sur le jeu Black Mesa, qui est le remake de Half-Life. Ça, c'est compliqué. Hein. Et du coup, actuellement, ils sont en train de faire cette scène et ils sont en train de faire cette carte. Et d'ailleurs, je meurs d'impatience d'essayer d'avoir l'obtention de ces maps sur Source Maker, bien qu'il y ait un problème de compatibilité avec SFM et Black Mesa, puisque Black Mesa tourne sur le moteur AVOC. Qu'est-ce qui se passe ici? Oui. Voilà qui sera utile. Une bonne canette. Je n'aime pas. Laissez-moi vous aider. Ok, j'espère que vous savez ce que vous faites. Bien sûr. En théorie. Bah, vous êtes un scientifique, tu sais comment ça marche. Vous sentez cette odeur de brûlé? Difficile à dire. Ça crame. Bien sûr. Essayons ça. C'est pas passé loin. Ça a dû la péter, ça a dû lui péter la gueule, ça a le péter. Oh non. Bien. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Je ne me hasarderai pas à faire la moindre suggestion. Ah, je peux pas passer. Ah. Mais alors. Attends. Qui est le responsable de ce désastre?
J'en sais rien. C'est pas moi. Je croyais que votre travail consistait à surveiller la machine à café. Oui, monsieur. Ah, c'est chiant. Ça va être chiant, hein, cette espèce de VF qui change entre un homme et une autre, entre deux personnes, quoi. Vous ne devriez pas être de faction quelque part ? Excusez-moi, mais je suis vraiment occupé. Laissez-moi seul, s'il vous plaît. J'ai un travail important à faire. Vous n'avez rien à faire, n'allez-vous rien. Ce n'est pas le moment de me déranger. Oh, c'est chiant. N'avez-vous rien de mieux à faire ? Je à 16h, je vais aller en cavale. Et je vais prendre mon cheval et nous allons avec la paillette pour faire la chasse à partir de chasse à cour. Si vous attendez le tram qui mène au secteur G, vous feriez mieux de marcher. J'ai entendu quelqu'un dire que tous les trams de ce côté du complexe ne fonctionnaient plus. Bah alors pourquoi t'attends ? Ah ouais. Mesa Time. Je suis persuadé que le screenshot ça vient de Counter-Strike. Il est sorti quand le premier Counter-Strike ? Le premier, je dis, hein, celui qui était un mode à la base ? Je sais plus. J'ai soif. Donnez-moi une canette. Merci, géante machine. Bah écoute, ouais, bon bah, il va falloir trouver un moyen d'accéder. Parce que oui, là, notre but, c'est juste aller à l'ascenseur. Authorized personnel only. Ah oui, c'est bon, j'ai la lumière, j'avais oublié. Casse-toi. Ouh, fait noir ici. This is spooky. Alors, en plus, c'est marrant parce que les joueurs ne voient pas du tout. Mais en fait, juste derrière la porte, il y a ça. Et moi, la première fois que j'ai joué, j'avais pas vu ça. Et en fait, ça marche pas. Et regardez, je vais vous montrer ce détail. Ça marche pas. Donc, comment on fait ? On va à la machine qui est ici, on ouvre, on appuie sur l'interrupteur. Ensuite, ça fait tourner les machines. Ici. Hop. Personne n'allait à un tel niveau de détail à cette époque. Faut le savoir, ça. Ça a l'air con, comme ça. N'importe qui pourrait le faire, maintenant, aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était insensé. Genre, on te demandait juste de faire un jeu, voilà, on faisait pam 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 boum boum, et bah non, il fallait aussi ajouter quelques détails pour rendre le jeu un peu plus complexe, un peu plus riche en matière de détails, en tout cas. Oh non, encore un mec du gouvernement. En tant que Barney, je ne sais pas qui est ce personnage. Enfin bref. Sûrement contrôleur des impôts, qui nous casse les couilles. Hop là. Je peux refermer ou pas ? Ah non, je peux pas refermer. Tant pis. Bon, j'ai plus que 4 balles. Hein. Je vais pas aller loin avec. Hein. T'as envie de dire qu'on va être en mode difficile, je tiens à vous le dire. ça va être chaud le mode difficile. Voilà, on était censé arriver ici. Évidemment, les trains ne marchent pas. Secteur G. Attends, je vais regarder. Ligne rouge, ligne bleue, ligne verte. Donc moi, attendez, c'est lequel que j'ai là? C'est le rouge parce que je vois secteur G, hydroélectrique. C'est pas hydroélectrique ça. Je suis en train de regarder. Secteur D, administration. C'est un bordel tout ça. Moi je vous dis, hein, c'est un bordel. Hein. Il était temps, on ne vous paie pas pour que vous preniez vos aises. Faites en sorte que ce truc fonctionne pour que nous puissions faire notre boulot. Oh, tu me casses les couilles, Michel. Suffit d'appuyer sur un bouton et puis tu m'emmerdes pas. Regarde, il est réparé ton ascenseur, j'ai appuyé sur un bouton. Bah lui, ça va, il dit rien pour l'instant. Alors oui, ce clipping, il est horrible hein, quand on les voit comme ça. Mais ça, c'est le moteur du jeu, c'est à l'époque. Si vous avez joué à Gordon Freeman, avec Gordon Freeman, vous savez très bien où est-ce qu'il est actuellement. Il n'y a pas besoin que je vous fasse un petit briefing. Mais tout ça me dit rien qui vaille.
Moi je vous dis, ça va péter. Il se passe quoi? Qu'est-ce qui se passe dans ce tatamar là? Ah bah tiens, il est mort. Allez, la cascade de résonance a commencé. Faut pas tirer dessus. Attention! Oui. Ah, c'est chaud! Oh non, l'ascenseur va pas tenir. Ah! À terre! Ouh. Ça pique! Oh le bordel! C'est une chance qu'on survit en plus. C'est une de ses chances. Bah à mon avis on est plus que mal en point, on n'est pas en pleine forme là. Putain, c'est rentré dans... Oh la vache. Je peux pas voir au-dessus, c'est pas grave. Le fameux pied de biche. Qui consiste à tout casser. Attends, j'ai des balles? Ouais, c'est bon. Viens là, toi. T'enfuis pas comme ça. Ah, ça, c'est bien. On peut vraiment tout péter, quoi. Voilà. Ah, putain, ouais, faut que je remonte à la source. Non, c'est pas ça. Ouais, faut que j'aille de l'autre côté. Enfin, faut que je passe par là. J'ai du mal avec les GI ou Boy, évidemment. Ça peut se comprendre. Bon, voilà. J'ai voulu le faire péter. Quelqu'un essaye-t-il de se cacher dans le noir? Attendez, je suis obligé de vous le montrer, ce truc-là. Attendez. Attendez, faut que je fasse juste un truc. Mode fenêtré. Hop. Comme ça, on évitera de la... Merde. Attendez, c'est la panthère rose. Avant d'attaquer un gros coup. C'est le moment où il fait « Porte que ceci, non ?»« Oui, monsieur, porte que cela. » »« Je sais tout ça, je sais. » »« Elle n'est pas fermée, monsieur. » Les barres parallèles. Ah, voilà, attendez. Étrange, il n'avait pas marché avec moi. Ah. Non, c'est pas ça, attendez. Peter Seller. Peter Seller. Faut que je retrouve le moment de où il dit « Quelqu'un essaye-t-il de se cacher dans le noir ?» C'est un très vieux film. Je vais essayer de le retrouver. Je sais même plus où est-ce que je l'ai... C'est pas la Panthère Rose, le film le plus récent. Attends, je vais essayer de le retrouver. Hein. Avec les barres parallèles. Cousteau interroge le personnel. Non, c'est pas ça. Si. Porte que ceci. Ah putain, j'arriverai pas à le trouver, ça m'énerve. J'arriverai pas. Bon, c'est pas grave, je l'ai pas retrouvé, vous m'en excusez. Mais en fait, à un moment il fait
C'est un détective, en fait, il essaie de trouver une porte, etc. Il tape dans les murs, etc., dans les murs en bois, et à un moment donné, il entend un qui est creux. Et le majordome à côté, il fait. Enfin, il lui fait. Porte que ceci, non? Le majordome, il fait. Oui, monsieur, porte que cela. Je sais, tout ça, je sais. Elle n'est pas fermée, monsieur. Elle n'est pas fermée. Et après, il rentre à l'intérieur, il fait. Il ferme la porte. Et il laisse le majordome à l'extérieur et l'autre il fait quelqu'un essaie-t-il de se cacher dans le noir? Il faut que je la retrouve, cette scène elle me fait marrer. Quelqu'un essaie-t-il de se cacher dans le noir? Non! Head crab! Attendez, je vais essayer de les... Aïe! Ben, il est mort. Parce que ça, c'est un truc électrifié, forcément. Combien je perds de vie? 90. Ah, ouais, ok. Je peux casser. Attends, vas-y, vas-y. Saute, saute, saute. Voilà, regarde, il va crever. Crève, 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 crève. Putain, mais. Tu fais chier. Je voulais que tu crèves. C'est quoi ça, attendez? C'est un bébé? C'est un truc radio. Un radio pour voir les bébés dans les femmes enceintes? Pardon. Ça, je savais pas. D'accord, j'ai pété le truc sans faire exprès. C'était pas voulu. Mais qu'est-ce que ça foutait là? On est dans un laboratoire, enfin on est dans un centre de recherche, on n'est pas là un truc médical. Je ne sais quoi, bah tiens. Salut toi. Calhoun, comment avez-vous fait pour passer? Ça n'a pas d'importance. Le seul autre moyen de sortir, c'est d'emprunter le canal. Si vous parvenez jusqu'à la surface, ne dites à personne que je suis ici. Je crois qu'ils essaient de nous éliminer. Maintenant, partez. Qui? Concentrez-vous sur le canal. Ok. Ah bon, tu mets bien en avant ta lumière. Mais quand il dit ouais, ils attrapent tout, ça veut dire que ce sont les. C'est pas les militaires. Les militaires, ils sont pas encore arrivés, mais c'est les aliens. Ouais, ça a pété! Laissez-moi partir, s'il vous plaît. Je ne veux pas qu'ils nous entendent. Si vous voulez partir, passez par le canal. Oui, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Ça va bien se passer. Je regarde juste un peu partout pour être sûr de ce que je vois. Ouais, non, je peux plus lui parler. Moi, je suis sûr que. Dans les faits, là, en ce moment, les militaires sont en chemin. Un truc comme ça. J'ignore où est-ce que Gordon Freeman est actuel en ce moment, mais. Je vais essayer de faire tomber une caisse, attendez. Ah putain, je pouvais le faire bouger, attendez. Ah, c'est bon. Quoi? Attends. Ah putain. Mais. Ah, il y a un mur ou quoi? Il peut pas passer? Ah, oh, fais chier. Merde, je pouvais pas le faire passer, tant pis. Bah, évidemment là. Allez, c'est parti pour un petit chemin. En fait, je pense que je vais faire des streams, mais par ordre chronologique, c'est-à-dire que là, on commence avec Kaloun, qui est le tout début, et ensuite, on va finir avec la fin, qui sera évidemment Opposing Force. Half-Life Decay, je sais pas si je pourrais le faire parce que c'est sur PlayStation 2 et il faut être à 2, forcément. Donc je sais pas avec qui j'y serai, on verra. Nord Tunnel. Bah. Ah mais non, c'est pour ouvrir la porte, ok. Oh! Merde! Moi aussi je vais te taper! Bienvenue sur Terre. C'est ce que j'appelle un rendez-vous du troisième type. Dixit Will Smith dans Independence Day. Évidemment, vous l'aurez remarqué. T'as mis en note ces saloperies. C'est marrant, il a réussi à me voir, mais pas mes pieds. Boum, couché. Couché, Gus.
Je vais essayer de regarder s'il n'y a pas des caisses avec une munition. Mais c'est vachement encombré hein, par ici. Hein. Ça se voit qu'il n'y a plus personne qui passe là. Il n'y a pas un véhicule, un truc comme ça. Ta gueule! Au lieu de nous crier comme un issou là. Ah mais là c'est un vrai bordel ici. Ça c'est un vrai bordel. C'est un casse-tête cet endroit. Parce que là, t'es obligé de maintenir enfoncé, sauf que tu vois pas vraiment où est-ce que tu mets ta manivelle. Je m'en souvenais, la première fois que je vais jouer, c'était une galère, j'avais pas compris. Je comprenais pas du tout comment il fallait faire. Et en fait, avant moi je pensais qu'il fallait juste passer là, et ensuite, non, aller là, pour sauter là, et aller là, et ensuite là. Mais non, en fait, il faut prendre la caisse qui est ici. Hop, la caisse qui est là. On passe là. On passe pas ici parce que c'est pas assez haut. Je pense que c'est trop. Là c'est trop haut là. Ah si. Ok, là je passe. Et évidemment je ne passe pas. Il va falloir que je redirige ça. Ça devrait être mieux là. Hop, on refait les phases de plateforme. C'est marrant, mais j'avais vu d'ailleurs en plus j'ai bien entendu un truc. Qu'est-ce qui fait péter là? Pourquoi ça explose là-haut? Bah, attendez, je veux regarder s'il n'y a pas un truc important. Oui, je disais qu'il y a un mode qui permet de jouer à Half-Life Blue Shift et Opposing Force en VR. Pourquoi pas? Pourquoi pas, à la limite? Mais c'est vraiment une manip vraiment à la con. J'ai déjà essayé une fois avec le premier Half-Life, c'était une galère comme pas possible. Parce que, évidemment, quand vous utilisez les pistolets ou les armes, bah vous avez les mains qui sont munies avec. Ça finit de péter. Pourquoi ça pète là? Ah! Nom d'une pipe! D'accord, lui il meurt sur le coup. Ah mais non. Ben voilà. Ah. Toi tu vas crever comme une merde. Voilà. Attendez, je vais assurer que j'ai rien perdu. Non, je peux pas casser ça. Je veux être sûr d'avoir tout trouvé par ici parce que des fois je peux tomber sur quelque chose sans le vouloir, je l'avais jamais vu. Il y a encore des mystères que je peux trouver, on sait jamais. Hein. Petit mystère à la con. Non, c'est bon, il n'y a rien. BO3. Ok, BO3, je note. Là, ok. Donc c'est bon, on est au canal. Ça a fait un bruit insupportable! Hop. C'est marrant parce que en tant que nouveau joueur, enfin non, quand t'es un nouveau joueur, l'équivalent du jeu, ça peut se résumer à 2-3 heures de jeu. C'est 2-3 heures de jeu à Flap Blue Shift, tandis que Opposing Force c'est 4-5 heures, un truc comme ça à peu près. Ah oui non, je dois fermer les valves parce que je peux pas passer. Sinon je me prends ce petit jet dans la tronche. Là voilà. Ah, ça fait du bien. Et non, on peut pas utiliser ça puisque nous n'avons pas des combinaisons HEV. CEH en français, si vous voulez. Ça ne sert à rien. Allez, les ascenseurs à la Akira là. Putain, il a réussi à me toucher. Putain, mais. Ils sont violents. Mais non, mais j'ai plus de balles. Et j'ai plus de vie. Oh, non, je vais pas tenter les risques. Je vais sauter dans l'eau. Dans l'eau dégueulasse. Ouais, si c'est juste après pour passer. Parce qu'en fait, je sais que là, je dois.
je vais aller là. Pour, voilà, c'est bon. J'avais retiré les balles, donc ouais, je peux passer par là. Et là, haha, nouveau fusil à pompe. Qui d'ailleurs, maintenant je peux plus sortir mon pistolet. Attendez, je vais assurer une chose. Je vais regarder parce que la version haute qualité, ça donne quoi? Parce que le pistolet, le fusil à pompe, il change évidemment. Ah oui, le pistolet, il change beaucoup même. Il change beaucoup. Enfin, vous savez quoi, limite, on pourrait rester en version bonne qualité. Putain, le bruit, il est assourdissant par ici. C'est un bordel cet endroit. Putain, j'ai jamais vu un acier aussi gros comme ça là. J'ai jamais vu une espèce de poutre ou un pilier, je ne sais pas comment je pourrais appeler ça, de énorme. Ah bah tiens, on les avait oubliés ces trucs là. Mais il y a une drôle de façon de charger le son, je trouve. Merde. Ça me chope en plus, ces saloperies. Flow. Glou 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 glou. Et là en fait c'est juste pour j'assure qu'en fait il y a rien en dessous. Non, il y a rien en dessous. Par contre, j'étais merde. Est-ce que je sais merde mais allez, monte. C'est une galère. Ah, j'ai plus que 4 balles, faut que je fasse attention. Ça pardonne pas les munitions. Hop. C'est bon, 9 mm. Alors voilà, vous avez vu, on est passé d'un Glock 24 à un 9 mm, c'est pour dire. Mais je préfère mieux utiliser la version, ouais, on va utiliser la version ancienne. OpenGL. Sinon on peut faire la version PlayStation, mais bon, c'est un peu dégueulasse. Hein. On n'est pas là pour être un... On peut être un boomer shooting, mais un boomer shooter, mais bon, à un moment donné, ça suffit. Voilà, putain, t'en as mis du temps. Non, j'ai rien ici, ok. Je peux recharger maintenant. Oui. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Il a fait un gros trou. Hop là. Oh putain. Non, ça sert à rien. Il y a des fois des endroits... Putain, il y a des kits de son, je peux même pas les prendre d'ici, là. À moins que... C'est risqué ou pas, attendez. Non, je peux pas péter. C'est pas grave. Je vais essayer. Ah, c'est bon. Ah, ça sert à quelque chose au moins, ces bestioles. Ouais, c'est bon, il n'y a plus rien. Il est tombé! Il est tombé! Ah, des zombies! C'est pourquoi ils s'agrippent à notre tête, ces saloperies! Voilà. On va casser tout ça. Voilà, munitions, ça. Oh bah dis donc, ça valait la peine de casser. Hein. On va tout casser ici, munitions. Encore d'autres. C'est bon, on est pareil. C'est bon, 50 pour 75, ça va le faire. C'est quoi cette bête? Voilà, c'est bon. Ah! Ah, une course après! Merde, recharge. Aïe. Toi, t'es mort. Oh. Merde, il y en a encore un. Il y a un alien. T'allais me faire quoi, là? Un galanga, là? Un galanga attaque? Oh, c'est dégueulasse, ici.
J'ai un trou à mes souliers. Je vais me soigner un peu plus. Est-ce que je... Oh non, 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 non. Tu vas pas me tuer, toi. Putain, je peux pas me soigner, quoi. Putain, c'était prévu que si tu fais demi-tour, il y a un Vortigone qui arrive et qui te défonce la gueule, quoi. Parce que pour essayer de récupérer ça, quoi. Oh, c'est bâtard. Ça, tu vois, il y a des trucs que je m'attends pas encore. Je découvre à nouveau, mais bien qu'en fait, j'ai fait 10, à peu près 6 heures de jeu là-dessus. Et pourtant, je connais vraiment... J'ai entendu une bête. Bah, lui, il fonce dessus, quoi. Sébastien Chabal! Allez, casse-toi. Putain, le temps qu'il crève... Récupérer tout ce soin. Ah, je t'envoie, ça va pas pardonner du tout. Là. Ah merde, c'est éteint. Putain, mais y'en a combien de ces. Putain, il m'a fait voler le bazar là. Voilà. Bienvenue sur Terre. Ah bah voilà, ça marche. Ah, je vous cache pas que les aliens ont la vie dure, hein, en arrivant sur Terre. Hein. Évidemment, ils sont gentils dans Half-Life 2, mais parce que dans le premier, ils sont sous l'emprise de l'esclavage et dans la panique, ils butent un peu tout le monde, quoi. Attendez, hop. Allez, casse-moi cette merde. Oh là là. Ah putain, il m'inflige 10% de dégâts quand il me tape. Hein. Moi, je peux pas passer par là, de toute façon. Y'a quoi? Y'a quelqu'un en dessous? Non, y'a rien. Pas de munitions. Y'a quoi en dessous? Pouf. Je vais à contre-courant. Ok, ouais, non, ça c'est ce qu'on c'était ce qu'on voyait tout à l'heure. Ouh, je ne peux pas passer. Au moins, je peux remonter. Vous savez, ça vous coûterait moins cher de mettre des barrières plutôt que mettre un ascenseur. C'est mieux. Danger explosif. Ah, pouf. Ça va péter. Elle explose. Et voilà, plus de machine. Pour ce qui reste, en tout cas. Who is this guys? Pourquoi est-ce qu'ils ont balancé les cadavres dans l'eau? C'était qui ces types? Pourquoi ils font ça? Évidemment, en tant que fan, on sait très bien qui ils sont. C'est les militaires qui sont arrivés. Et apparemment, vu leur réaction, ils ont pas l'air de faire un comité d'accueil. Oh, ça tire. Drainage, canal, access. Ouh. Ah ouais, ça fait mal. Ok. Ah oui, attendez, il faut que je vous précise un truc. Quand vous allez mourir, il faut jamais utiliser le fusil à pompe ou n'importe quel fusil parce qu'il va trigger automatiquement, il va tirer dessus. On sait pas pourquoi. C'est un bug du jeu, on sait pas comment on fixe ça. Je pense qu'il y a un mode qui permet de le fixer, mais... Je sais pas. Ok, bah là je peux pas passer là. Non mais je peux pas passer, attends, ils sont... Là-bas je le vois là.
Mais mon entraînement n'a pas... J'ai pas fait de l'entraînement pour rien. C'est bon, j'en ai eu un. L'autre, il peut m'avoir là. Ouh là là. 15 HP. Je vais sauvegarder. Hein. Ah putain. Je suis sur une balle. Voilà, une balle, ça aurait permis de le tuer. Ah, c'est bon, je l'ai eu. Yes, j'ai cru que c'était une tourelle, ça, là-bas. Là. C'est saloperie de tourelle. Pourquoi est-ce que ça me tire dessus, avec? Par contre... des grenades. Des grenades. Des lance-grenades. Et du soin. Bien que c'est 10%, c'est pas suffisant, quoi. Ok, je ne peux pas passer par là. Ils ont bien pris le temps de faire un créneau, hein, pour bien se garer. Hein. Grâce à mes talents de garde, je peux avoir accès pour ouvrir des portes. Bah alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? Et nouveau fusil, le 357 Magnum. Du soin ici. Voilà. Regardez, on peut tout casser. Un impact, c'est plein de micro-fissures. Un choc brutal sur la route. Et voilà. Elles sont bien fait mitraille. Oh. Ok, c'est pas des gentils. Il avait envie de le faire péter de toute façon. Ça me dit rien qui vaille. Mieux vaut rester sous la surface. Oh merde. Aïe. Saloperie. Hop là. Ok, ça promet d'être un sacré foutoir. Et ceci n'est que le début. Une valve. Ce serait bien de les mettre en rouge. Je suis obligé de me le prendre, hein. C'est horrible. Toi tu prends aucun dégât avec ça. Aïe. T'imagines, tu passes ça dedans, mais t'as la gueule rouge avec ça. Faut vérifier tout ça, hein. Contrôle technique là. Ah, il y a plus que contrôle technique là. Mais ça, tu vois, ça faisait peur parce que je voulais pas rentrer dans l'eau parce que je pensais que c'était électrifié. Ça a deux doigts. T'as deux doigts de mourir avec dans ces conditions. On va vite sortir de l'eau. Hein. Belle tâche. Oh là là. Putain, mais... Bah voilà. Putain, il en met du temps en creux. Putain, j'étais coincé. Oh. Tu voyais pas que je regardais les panneaux? Ah, par contre, quand il te met un grand coup de queue, là, je peux te dire, ça fait hyper mal. Hein. Il ne voyait aucun préjugé derrière. Ça tourne tout seul. Attends, tu vas voir, toi. Ouf, je crois que j'ai cassé les environs. Je ne serai pas responsable de cet endroit, bien que je n'assume pas, en effet. J'ai crasé les insectes. Warehouse basement. Ça veut dire quoi, ça, warehouse? Je sais plus exactement ce que ça voulait dire. Attends, je vais me le faire au pied de biche, voilà. Parce qu'à un moment donné, ça suffit. Attends. Attends. Coucou.
Oh, de la pâtée. Ça doit pas être bon. Oula, oula, ça glisse. Ah. Attendez, j'attends qu'il meure. Voilà, et là... Oh non, ça disparaît. Oh non. Pourquoi ça disparaît maintenant? Tant pis. Tu viens de te prendre une explosion dans la gueule. Je prendrai le magnum quand ce sera la bonne occasion, comme par exemple cette occasion-là. C'est bon. Vous avez vu, à chaque fois quand j'essaye de tirer... Putain, j'ai que 21% de vie. Quand je m'amuse à tirer, je fais toujours en sorte de straffer à droite ou à gauche quand je tire au magnum. Quelle que soit l'arme, de toute façon. Attendez, je peux faire un double kill. Double charge. Ah bah, il est où? Oh merde! Attendez, grenade. Grenade! Bon, moi, le crabe, il est mort. Oh, c'est magnifique comment je l'ai fait péter. Connard! Ah, lui, il est mort. Oh merde, je t'ai pas vu toi. J'ai plus que 11 HP. J'ai plus que 9 avec cette saloperie maintenant. Ok. Le Glock 24, je sais même plus la référence exacte. D'ailleurs, à ce propos, je vais vous montrer, hein, c'est une fausse. Hein. C'est le même. D'où pourquoi j'ai voulu l'avoir. C'est presque le plus ou moins le même. Je sais plus si c'est un Glock 24 ou un Glock 25. Mais voilà. C'est pour vous montrer que j'ai le même pistolet. Mais c'est un faux. Hein. C'est une réplique. Hein. Je tiens à vous le dire. C'est pas une vraie. Hein. Mais un jour, si jamais je pourrais faire un petit film ou un truc comme ça. Si, ou peut-être que je m'habillerai en cosplay. Peut-être que ce sera le garde. Barney Calhoun. Parce que j'aime bien le style de vestimentaire. Il est pas dégueu. Et moi je trouve que ce serait sympa. Si un jour on fait des. Il y a encore des sorties de Japan Tour, un truc comme ça, ou des cosplays. Pour l'instant, je peux pas. J'ai pas trop l'envie. Enfin, pour l'instant, il est dans l'impossible. Je crois pas que je t'ai pas vu, toi. Attends, pour être sûr. Parce que j'ai 9 grenades, hein, attendez, autant se permettre. Oh là, il y a l'explosion de ouf. Attends, déjà sûr qu'il y a rien. Avant de me soigner, c'est bon. Ah, ça fait du bien. Donc oui, d'ailleurs, je voulais revenir sur le sujet. Ça fait déjà une heure qu'on stream, c'est déjà pas mal. Je voulais parler au fait du fait de pourquoi est-ce que j'ai pas streamé depuis. Je disais que j'avais ma semaine et que j'avais l'opportunité de streamer. Pourquoi? Parce que j'avais une flemme, une grosse flemme. Mais vous n'imaginez pas à quel point. Et je passais toutes mes semaines sur GTA, et ça commençait à me saouler à un moment donné, parce que faire uniquement du GTA, faire du GTA, c'est bien, mais à un moment donné, t'as envie de changer un petit peu, quoi. Te dégage, toi. C'est pour ça que du coup, à un moment donné, j'ai commencé à en avoir marre. Et quand t'es en vocal et quand tu fais du GTA, c'est pas très productif, quoi. Donc forcément, j'avais envie de faire autre chose, j'avais envie de changer un petit peu, parce que sinon j'allais tourner un petit peu en rond, et ça c'est pas très sympa. C'est pas très cool. Par ici. Oui. Vous êtes mort. Oh. Et vous. Oh. J'ai plus de balles. Je savais pas qu'il y en a un qui allait spawn. Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar là? Qui a fait ça là? Oh la vache! Oh comment je me suis envolé avec la caisse. Bah ça va, je fais que 90 kilos. Avec mon armure et tout le tintamarre que je porte.
Y'a quelqu'un? Coucou. Aïe. Saloperie là. Merde, j'ai plus de lumière. Ah si, c'est bon. Je sais plus où est-ce qu'il fallait aller. Mais forcément, fallait que je me le bouffe celui-là. Attends. Putain, mais. Petite merde. Voilà, j'ai eu un chargement. C'était un magnifique chargement. Je pensais que je pouvais taper la palette. Même pas. Y'a quelqu'un? Alors oui, dans tous les cas, de toute façon, on pouvait passer par là. Je crois qu'en fait, il y a une entrée. Bon, il y a dû avoir un conduit ou un truc comme ça. Normalement, je devrais passer par là ou un truc comme ça. Normalement, je sais que je passe autre part. Enfin bref. Ils m'ont pas vu. Si, ils m'ont vu maintenant. Ils arrivent. Oh merde, j'ai mal mis ma grenade. Putain, j'ai qu'un Glock. Oh là là. C'est bon. Il en reste encore un. Donne-moi ton fusil à pompe. Allez, MP5. Enfin, MP5. Oui, c'est MP5, oui. Autant pour moi. Oui, c'est MP5, je disais. Oh, le cribille de balle. J'apprécie votre aide, mais j'ai peur que ces ordures aient fait trop de dégâts. Si vous pensiez atteindre la zone de fret et vous échapper, oubliez ça. Les militaires attrapent tout. Je dis bien tout ce qui sort d'ici et le tue ou l'emmène pour l'interroger. Vous parlez d'une mission de sauvetage. Ah bon? Un de mes collègues et moi-même avons conçu notre propre plan d'évasion. Et nous nous rendions dans les anciens laboratoires prototypes lorsqu'ils nous sont tombés dessus. Écoutez-moi. Si vous voulez vivre, votre seul espoir pourrait être de retrouver mon ami. Les soldats l'emmenaient vers la surface la dernière fois que je l'ai vu, et il était encore en vie. C'est le seul qui ait les compétences et les connaissances nécessaires pour que notre plan fonctionne. Si vous parvenez à éviter les soldats, retrouvez le docteur Rosenburg. Avec lui, vous avez peut-être une chance de sortir vivant de cette pagaille. Oyez, oyez, je viens de mourir dans d'atroces souffrances. Le chevalier de Pardacourt. C'est franchement... Vous voyez vraiment le niveau de VF à l'époque, quoi. Ah, c'est... Ah, c'est dur, hein. C'est dur. Mais il fallait se le permettre, hein. Ça se voyait tellement que les gens, ils se battaient les couilles de... On te demandait de lire le texte, mais il fallait pas être synchro, quoi. Oh, j'ai bien fait de l'ouvrir, celui-là. Bon, c'est bon. Ouh. You're dead! Not big surprise! Ok. J'ai une MP5. C'est marrant parce que je pensais que normalement j'avais. J'avais eu le droit à un MP5 de bonne qualité. Non, j'avais. Parce qu'en fait, il faut savoir. Attendez, je vous montre un truc. Quand vous êtes dans la version classique de Half-Life, vous avez cette arme. Et cette arme, en fait, en référence, c'est le MP5. On appelle ça l'arme MP5, pour ceux qui ne connaissent pas dans la classification des armes. Et il s'avère que, suite à la version HD, vous ne possédez pas un MP5, mais vous possédez un... Et vous allez voir ça tout de suite. Un M16. Ça change complètement comparé à ce que vous avez. Alors déjà, il change avec le 9 mm. D'ailleurs... Lui, il reste quasiment le même. En Magnum, 357. Là, vous avez un M16. Fusil à pompe, un Space 12. Et c'est tout, voilà. Donc, nous, on se retrouve avec un limite. Je pourrais peut-être essayer le MP16, mais peut-être pour une prochaine. Je sais pas. Je verrai. Je verrai entre-temps. Et on va rester en qualité dégueulasse. On changera peut-être après. On verra. Ça dépendra de ce qu'on fera. Parce que j'aime bien la version classique, c'est pour ça. Mais les militaires, je suis pas fan. Je suis vraiment pas fan des militaires. La qualité des militaires est très très mal vieillie. C'est des espèces de polygones en triangle.
Je les entends d'ici. Ah, ah bah tiens. Il y a des gens derrière. Je suis pas discret, hein. J'en fais un bordel. Ils vont savoir que je suis là. Ah mais j'ai un lance-grenade. Ouh. Oh bah il a eu la même idée. Qu'est-ce qu'a pété là-bas? Ah. C'est marrant, mais on dit souvent qu'un fusil à pompe, ça fait moins de dégâts sur de longues distances. C'est faux. C'est totalement faux. Un fusil à pompe, ça peut faire très très mal si vous réussissez à prendre les billes. C'est juste que, en fait, le fait est que le fusil à pompe, quand vous tirez, c'est des billes qui partent un peu partout. Et qui partent un peu partout quand vous êtes à longue distance. Donc forcément, vous avez moins de chances de vous faire tirer dessus, mais évitez quand même de vous le dire que vous avez moins de chances. Hein. Vous pouvez vous faire toucher. Hein. T'as vu, même le militaire, il me l'a dit. Yes, sir. Je peux pas ouvrir ces voitures. Je peux pas passer par là non plus. Ok. Là, j'ai pas accès. Mais c'est la porte de tout à l'heure, là où les militaires, on les voyait autrefois. Là, je peux vraiment rien faire ici, non. Oh. Tu vas crever. Bah voilà. Il va y avoir toute une escouade là qui va sortir de cette fenêtre ou quoi là. Encore merci, on a le droit de monter comme ça. Même moi dans mon lycée, dans mon ancien collège qui était un peu dans cette forme là, bah tu pouvais pas faire ça. Quel bordel. Oh. Merde! Non! C'est bon. Combat au fusil à pompe, c'est ça? Tu veux jouer avec ça? Ah, y'a le grand schtroumpf! Attends, lui, je vais me le faire. Oh la vache! Putain, je peux pas passer. Non, c'est pas ici. Ah, ici. Ah, la musique s'est arrêtée. Oh, dommage. Ça mettait dans l'ambiance. Ok. Voilà. Ah, là, on va pas me dire que justement je manque de munitions là. Ah là, je suis gonflé à bloc. You collide. J'ai plus beaucoup de soins, j'ai remarqué. Mais il a survécu. J'avais déjà que j'allais faire de la merde. Putain, il survit à une balle le cadenas. Je sais pas qui est le fournisseur du cadenas, mais franchement, je serais ravi de l'utiliser, de me servir de ces cadenas. Ça va péter. Non. Putain, 6 HP, je vais mourir. Là, il y en a un qui arrive, je suis désolé. Hein. Je fais le campeur. Il me reste 2 HP. Il fait des grenades, là. Je l'ai pas reçu. Désolé de jouer la pute. Hein. Oh merde. Ça a pété? Voilà. Pire sauvegarde. Avec 2 HP. Ok, je l'ai vu. C'est bon. Il a fait un... Hop là, c'est bon. Personne d'autre ne veut négocier. C'est bon.
Le C4, on va le garder, on va économiser en munitions. Mais non, mais... Le mec, il prend une grenade automatiquement, je l'ai même pas voulu, quoi. Parcelle. Y'a quelqu'un? Oh bah dis donc, et ils sont pas... Ils sont pas allés de main morte avec les scientifiques. Hein. Putain, les pauvres. On va les laisser reposer en paix. du coup... Oh, du coca! Je sais pas si c'est du coca, mais... Oh! Qu'est-ce que vous foutez là-dedans? C'est bon. Ah, ils ont été congelés carrément. Attends. Ça sert à quoi que je te libère si au final tu me butes? Ah, ils sont carrément congelés, quoi. C'est génial. Aïe. Ah non, tu peux pas m'infliger encore plus de dégâts que tu me le fais. Du coup... C'est bon, je t'ai fait ouvrir. Non, je suis désolé, je ne suis pas le docteur Rosenblum. What? Mais pourquoi t'as parlé dans cette langue? Il a fait du français. Non, il a fait quoi? C'était quoi? C'est de l'espagnol? T'as fait de l'espagnol? Passez devant. Ah d'accord, maintenant tu changes de voix. On va essayer de l'emmener aussi. Ah oui, parce qu'en fait, il faut savoir que là, notre mission, ça consiste juste à aller chercher un scientifique qui s'appelle le docteur Rosenberg. Et pas le docteur Rosenbourg, comme ils disent en VF. Attends. Pourquoi me laissez-vous ici? Parce que ça pue le danger, je le sens. Qu'est-ce que j'avais dit? C'est bon, la voie est libre. On peut venir, on peut y aller. Vous, ne vous inquiétez pas, je suis médecin. Ah, vas-y, soigne-moi, s'il te plaît. 47. Oh, j'ai de la chance d'avoir 47%. C'est bon, tu me suis? Ok. Vas-y, suis-moi. Parce que j'aime bien, en fait, c'est dans Blue Shift, on peut vraiment escorter les scientifiques, quoi. Même si c'est pas voulu. Ah oh, bah là, je vais être full vie. Hein. Mais des fois, ils ont des problèmes avec les IA. Ils ont encore quelques problèmes pour pouvoir bouger, quoi. Vas-y, viens. Au lieu de faire ton scream, là. Là. Je reste ici. Ouais, c'est mieux pour toi, parce que je sais pas ce qu'il y a en face. Bah voilà. Yo. Attends, j'ai pas le temps, j'ai le grand schtroumpf là. Y'en a le grand schtroumpf. Non, 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 il va le tuer surtout. Il faut sauver les scientifiques, merde. C'est ma mission. Ma mission, c'est sauver les scientifiques dans ce jeu. À côté. J'ai pas le temps. Putain, mais il leur faut un chargeur complet pour les neutraliser. Ta gueule. Mais non, mais c'est qui ce scientifique qui me casse les couilles là? Attends. Merde, j'ai été déjà averti. Voilà, dehors au moins. Non! Il a préféré se suicider. C'était magnifique. Non! Et ils sont efficaces, je veux savoir qui sont vos fournisseurs de chili pare-balles. Viens là toi. J'espère que le scientifique il est pas mort. Je suis obligé de recommencer sinon. Appelé, voilà. On casse tous ces cartons. Tous les cartons cassables, il y a du bon là-dedans. J'ai pas le choix, je suis obligé. Oh oui. T'es mon fournisseur de morphine. Vous allez devoir me laisser ici, Gordon.
Tu te fous de ma gueule? Il se fout de ma gueule. Mais non, merde. Je ne suis pas Gordon, je suis Kaloun. Oui, allons-y. Moi, je m'arrête ici. Bah non, tu vas venir. Attends. Tu vas sortir. Putain. Ne voyez pas d'allusion sexuelle en faisant ça. Allez. Je vous suis. Bah j'aimerais bien que tu passes là. Ah, il peut vraiment pas passer, quoi. C'est quoi cette arnaque? Allez, scientifique, sors. C'est pas compliqué. Regarde, il va pas y aller, regarde. Vous allez devoir me laisser là. Très bien. Bah, tu restes ici, si tu veux. Tant bien faire. J'aurais aimé te sauver. Je prends ça. On va casser les cartons. Putain, celui-là était solide. On va le faire sortir celui-là parce que lui il commence à me casser les oreilles. Ouh là là. C'est bon, ça tourne. Bon, c'est toi le docteur Rosenborg ? Non, je ne suis pas le docteur Rosenborg, mais vous allez tout de même m'aider, non ? Rosenburg. Tu t'appelles Rosenburg. Enfin non, pas toi. Vaut mieux que tu restes ici pour l'instant. Pourquoi il vous enferme? Une mitraillette. Bah tiens. Ouh! Merde. Oh, le bruit de ma taupe-piqueur! C'est plus précis quand on tire comme ça. Encore? Mais il y en a combien? C'est fini? Non, il n'y a plus personne. Effectivement, il n'y avait plus personne. Bon, voilà, je peux continuer encore à casser les cartons. On va emmener le scientifique, tiens. Le scientifique qui est dans le wagon, là. Tu me fais penser au Darkseid, faire la technique du speedrun, attends. Ah, c'est compliqué, hein. Je galère encore avec ça. J'espère que vous savez ce que vous faites. Oui, t'inquiète pas, je sais ce que je fais. Je dois sauver un scientifique. Et c'est certainement pas toi, qu'est-ce que c'est que ça? T'as vu, lui, au moins, lui, il suit. Il suit. Lui, il est pas con. Je vais attendre ici. Ah, attends ici parce que là je veux être sûr que j'ai tout. Ouais, c'est bon. Je suppose qu'un agent de la sécurité sait ce qu'il fait. Bah ouais. Allons-y. Au grand galop. On va sauvegarder au cas où. Oh putain, oui. Viens. Tiens, défoncé. Je suis un boulet pour vous, n'est-ce pas? Oh oui, t'es plus qu'un boulet, ouais. Là pour l'instant, oui, t'es un boulet là. Là face à devant eux. Oh là 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 là. J'ai perdu beaucoup de vie en faisant ça. Oh là là, la grenade. Aïe. Oh. Qu'est-ce. Ah, viens là. Arrête de faire ton screamer là, vas-y, viens. Tu as tiré défoncé. Je suis un boulet pour vous, n'est-ce pas? T'as toujours été un boulet à mes yeux. Albert. C'est même pas Albert, lui. Kleiner, t'es un con. Grand Schtroumpf est mort. Les grands Schtroumpfs, c'est. Pourquoi je les appelle les grands Schtroumpfs? Forcément, ils ont un chapeau rouge. C'est les chefs d'escouade. Ok, t'es à côté, toi. Toi, tu m'emmerdes. Puis toi aussi, tu m'emmerdes. J'avais peur.
Ce salaud m'a ravagé ma salive, attendez. Ah, ça m'a ravalé ma salive quand il m'a tapé dedans là. Ok, on a un tank. Par contre, on a un bazooka ici. Oh bordel. Oh merde. Aïe. Saloperie. Vas-y, pète-moi ces cartons s'il te plaît. Merci. Oh bah tiens, vas-y, pète-moi cela aussi s'il te plaît. Non, ici là. Là. À 3 tu pètes. 1, 2, 3. Oh là là. Putain, à chaque fois il me le fait, à chaque fois quand je meurs quoi. Viens là. Viens ici. Pourquoi me laissez-vous ici? Parce que t'es con, voilà pourquoi. Loupé. Qu'est-ce que je fais avec ce fusil? Ça me sert à rien. Voilà. Ouh là 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 là. Lui là-bas, lui il est blessé. Une balle et hop, à terre. Encore deux là. Encore un grand schtroumpf. Je l'avais pas vu tout à l'heure lui. Putain, j'en ai décimé. Attends, je vois jamais mon truc. Hop. Avec le monster, en fait, je le vois même pas quand je vois même pas ma barre de santé. Sacre bleu. Oui. Allez, pète-moi ça, s'il te plaît. Tiens, bon, attends, merde. Ouais, c'est bon, un temps commun. Et on a le droit à un bazooka. Si je peux me permettre. Attends, j'ai une grenade ou pas? Là, je vais balancer les grenades pour... ça puisse péter dans les cartons ou pas. J'ai raté. Ah, ça je fais pas. Vas-y, attends. Oh bah dis donc, je suis gâté aujourd'hui hein. Je sais pas si c'est sécurisé, mais écoutez hein. On va ramener notre scientifique. Oui, je pense pouvoir vous faire confiance. Bah, je pense, c'est sûr. T'as vu un peu le bordel que j'ai eu? Je refuse de faire un pas de plus. Pourquoi? Ça sent le roussi? Allons-y. Vous allez devoir me laisser là. Mais non, mais... très bien, je serai discret comme une ombre. C'est bon, voilà, tu viens. Putain, il est un peu neuneux, hein. Vas-y, allez, marche. Prends bien ton temps, espèce de vieux. Hop. Je vous ralentis, n'est-ce pas? Non, tu restes ici parce que c'est juste pour que je puisse casser quelques affaires. Parce que moi, ce que j'aimerais bien, en fait, c'est que dans Guard Duty, qui va être le remake de Blue Shift, fait par la team Tripman Studio, qu'ils puissent utiliser ce passage pour faire venir des... enfin, pour sauver le maximum de scientifiques, quoi. Parce que le but d'un garde, c'est ça. C'est l'appel du garde et c'est pouvoir faire en sorte de sauver les scientifiques. Mais tu m'emmerdes. Oui, allons-y. Allez. Attends. Je vais le trigger un peu. Allez, come on. You can do it. Allez, je vais pas le taper hein, parce que sinon il va... c'est bon, voilà. On est obligé de le faire manuellement, hein. C'est pas compliqué de passer par une porte. T'es un peu con des fois. Hop. Y'a quoi ici? Y'a rien. Non, y'a rien. Ok. La suite. On va encore être sur les rails. Je vais attendre. Ça sera mieux pour toi. J'ai bien fait. Merde, ma lumière. Bien, si vous pensez que je peux vous aider. Bah tu vas pas m'être grand utile hein. Moi je suis mon but c'est seulement de te sauver la vie hein. Si ça t'emmerde, je peux te mettre coller une balle et puis c'est bon.
Je vais attendre. C'est con comment ils switchent de voix. Ça, c'était le défaut de l'époque. Mais c'était pas prévu que de base en VF il y avait un raccord avec les autres jeux, enfin d'autres extensions, etc. On savait pas à l'époque. Oh putain. Eh ben ça a fait un joli trou. Hein. Ah, je peux pas l'amener du coup. Je suppose qu'un agent de la sécurité sait ce qu'il fait. Allons-y. Je refuse de faire un pas de plus. Bah oui, tu peux pas. Ah merde. Bah désolé Kleiner, je vais te laisser là. Hein. Mieux vaut tard que jamais. Hein. Tu m'auras pas été d'une grande disponibilité. Explosion dans ta gueule là. T'as cru que ta grenade te servait à quelque chose, tu vas exploser là, voilà. Oh la vache. Quoi, je les ai tous eus? Mais non. Mais non. Mais non. Allez, voilà, c'est bon. En vrai, je serais assez curieux de savoir comment ils vont faire pour faire toutes les maps. Les deux parce que, comme j'ai dit, avec la team Tripin Studio qui font le remake de Blue Shift en entier. Donc, ils se servent pas des assets de Black Mesa, faites par Crowbar Collective, une autre team. Et du coup, je préfère mieux que ce soit eux qui font ça. Mais il y a une autre team qui s'appelle EQ Collective qui font un mode sur Black Mesa qui s'appelle Black Mesa Blue Shift, et ils sont très en avance puisqu'à peine ils viennent de sortir l'introduction du tramway avec Barney. Mais c'est une team qui a fait Black Mesa Azure Ship qui vient d'un très ancien mode de Half-Life. Et du coup, ouais, il me tarde de savoir à quoi ça va ressembler, cet endroit, sur Source. Et franchement, j'aimerais bien prendre cette map sur Source, parce que c'est vraiment un lieu de battle, quoi. Ça se voit, quoi. C'est vraiment un endroit pour se fight, quoi. Du coup, attends. J'assure que j'ai tout. Bah, c'est bon, je crois. Ah bah attends. Ohé ! Je suis ici ! Quelqu'un m'entend ? C'est une autre voix, donc je persuade que c'est la personne qu'on cherche. Je suis ici ! Quelqu'un m'entend ? Ohé ! Je suis ici ! Ça marche pas, y'a un virus, monsieur ! Ta gueule. Je savais qu'il y avait ça à faire. Hop. Est-ce qu'il est toujours là-bas, le scientifique? Ah, il s'est cassé. Je sais pas où est-ce qu'il est parti, mais il a dû se casser. Ah, c'est bon. Oui, bah ça va, tu nous fais 4... Ah, le bruit des rails. Ah, je suis obligé de passer. Hein. Ah, c'est un bruit. Ah, ça pète les oreilles. Mais là, ça va se casser, là. Ça va péter. Ah non, bah ça marche pas. Hello, Syntriax. We're gonna play Half-Life Blue Shift for this day. Bah c'est toi. On tient cette ordure. Et ça donne quoi pour Prima? Oui, je suis le docteur Rosenberg. Mais je ne suis pas très fier de l'avouer. Rosenberg. Thank you, Syntrax, for following. C'est vous mon nom. Ah, je vois. Pauvre Harold. Notre plan est de rejoindre l'un des anciens laboratoires prototypes. Très peu de personnes dans le centre ont l'habilitation suffisante. Yeah, this is a whole game. La technologie qui est à la catastrophe pourrait aussi être notre seule chance de fuite. Vous voyez,
J'ai participé à des recherches sur la technologie de la téléportation. Non. Le complexe Lambda soit construit. Lambda. Il pourrait rester suffisamment d'équipement pour que nous puissions construire un téléporteur et ainsi quitter cet endroit. Je sais que cela peut sembler fou pour quelqu'un comme vous. Mais de toute façon, peu importe si nous restons bloqués ici. Peut-être que je pourrais vous aider à passer dans ce conduit dans le plafond. Avec un peu de chance, vous pourriez attaquer les soldats par surprise. Ah ouais? Essayons ça. Do it! Il est comme ça, attendez. This is... On dirait, regardez, c'est le docteur Rosenberg. Docteur Rosenberg, il fait ça. Do it! Just do it! C'est terrible. Je m'appelle Syntiax. Syntiax. Looks like do it. But it's old. Alors là, je peux monter sur ses pieds et sur sa tête. We're gonna make a trap. Le grand chouf. C'est bon. Oh, l'explosion de ces morts. Pouf. Il a explosé. Je crois qu'ils sont tous morts. Hein. Ils sont tous morts, ouais. Bien. Nous devons retourner dans la zone où vous avez rencontré Harold. Oui. L'accès aux anciens laboratoires est par là-bas. Mais il faudra traverser les nouveaux bâtiments pour y arriver. C'est bien parce qu'en fait, quand Blue Shift, en fait, vous. Blue Shift, franchement, est un peu le, la couverture de Black Mesa qui, franchement, rend le lore un peu plus épanoui que comparé à Half-Life, au premier Half-Life et Half-Life Opposing Force. Qu'on fera, évidemment. J'ai tout pris. Bon, de toute façon, il n'y a plus rien à faire ici. J'ai pris le plus important, the most important person. J'ai voulu faire. Pourquoi t'es parti? Attends. T'as des spasmes? Il est comme ça. Ah, il me suit, ok. Viens. Ok, avec plaisir. Je savais qu'il était là. Paf, dans ta gueule. Oh bah tiens, il y a un casque. Allez hop, on le prend. Escalier. Bon bah ça a l'air d'être RAS ici. Ah bah c'est bon, il vient. This way, Dr. Rosenberg. You know what's something funny? In English, of course, you say I'm this person, Dr. Rosenberg. But in French, is the traduction of French is a little bit weird. Because Dr. Rosenberg, we call Dr. Rosenburg. And we saw. We don't say that. Bah vas-y. Très bien. J'espère que nous n'allons pas rencontrer d'autres soldats. Bah non. Non. Viens ici. Oui, c'est ici. Nous devons passer à travers pour accéder à l'ascenseur. I don't know why he, this traduction is that because it's of course it's old, it's so old, old traduction. Notre premier choix aurait été d'évacuer l'ensemble dans le réacteur Lambda. Le personnel de ce réacteur a décidé de. Je t'ai pas vu, je t'entends pas. Excuse-moi, mais je...
Tu n'es plus là? Je suis obligé de revenir te chercher. Merde. Attendez, je dois me faire un suicide. Suicide. Je l'ai dégagé. Oh merde. Ne me laissez pas ici, Kaloun. Je ne pourrais pas me défendre. Ça me découvre. Bah si, avec tes mains, connard. Oui, nous avons de meilleures chances en restant ensemble. Bah oui. Oui. Baguette. Baguette Rosenberg. Rosenburg. Oui, c'est ici. Nous devons passer à travers pour accéder à l'ascenseur. I want to make something funny. Notre premier choix aurait été d'évacuer en passant par le réacteur Lambda. Le personnel de ce réacteur a décidé de... Merde. Ils fondent tous leurs espoirs sur un certain Freeman. Freeman. J'ai dû mener une bataille perdue d'avance. Tout ce que je veux, c'est de partir d'ici. Bah oui, avec Freeman. Le réacteur Lambda veut absolument Freeman, sauf que nous, on s'en fout, on veut se casser d'ici, nous. That's funny, because I want to crush this Dr. Rosenberg with this door of the elevator. Très bien, restons ensemble. Ok. Non, y'a rien ici. Oh, je crois qu'il y a un... Attends, je crois qu'il y a un... Arrêtez-vous, Kaloun. Il faut que je fasse une pause. Pourquoi? T'es fatigué? Connard. Je vous suis. Voilà, c'est mieux. C'est cassé. J'espère que l'ancien système de sécurité est en train de... Un peu de chance. Le système d'identification se souviendra de nos empreintes digitales. Alors, on est vraiment dans un complexe ultra vieux, hein, vous allez voir. Ça sent les années 80 ici. Ah oui, ça sent les années 80. Le soin, c'est toujours à la portée. Docteur Rosenburg, grâce à Dieu, vous êtes revenu. Nous avons réussi à rassembler la majeure partie de l'équipement, mais nous avons besoin de vous pour coordonner la phase Excellent, finale. Excellent, Valter. Terminez l'alignement de la matrice de la batterie. Je vais voir si je peux activer le système. Il a fait un ta gueule. Il a fait... Oh, Dr. Rosenburg, glad to see you. Yeah, whatever. Let's evacuate this facility. So that's why this French voice is so weird. Malheureusement, ce système est d'une technologie trop ancienne pour être utilisé tel quel pour une téléportation vers la Terre. Vous voyez, Monsieur Kaloun, la téléportation, c'était pas seulement aller d'un point A à un point B. Ah? Nous avons découvert que l'étrange monde frontière est impliqué d'une manière ou d'une autre dans le processus. Monde frontière. C'est pour cela que nous ne pouvons pas savoir précisément quel réglage nous ramènerait sur Terre. Un monde frontière, qu'est-ce que vous dites là? C'est quoi ces conneries? Une des recherches les plus encourageantes ont conduit à l'hypothèse d'une machine qui serait reliée aux étranges structures cristallines découvertes sur le monde frontière. Cette machine pourrait servir de balise lors d'une téléportation. Enfin, en théorie du moins. Ouais. Ça veut dire quoi ça? J'ai eu contact avec le groupe d'études peu de temps après que la machine a été installée. Nous avons par la suite découvert d'autres méthodes pour viser les champs. Mais l'équipement de ce laboratoire est bien trop ancien et n'intègre pas cette dernière technologie. Si nous voulons sortir d'ici en vie, quelqu'un doit aller sur le monde frontière et activer la machine. Je comprends rien. J'ai peur que vous soyez le seul que nous puissions envoyer. Tous les autres personnels sont nécessaires pour faire fonctionner l'équipement. Nous devrions pouvoir vous téléporter à proximité de l'endroit où l'équipe d'études avait établi son campement, mais les probabilités sont élevées que vous rencontriez des créatures extraterrestres. Lorsque vous aurez retrouvé la machine, activez le générateur et alignez les émetteurs jusqu'à ce que le signal atteigne un pic. Nous ouvrirons de nouveau le téléporteur pour vous ramener dès que nous aurons repéré le signal. Mais vous devrez faire vite pour revenir, car nous ne pouvons garder le téléporteur ouvert que peu de temps. Ah bon? Bien, je vais lancer la phase de chargement du téléporteur. Je vais en monde frontière, c'est ça? Une fois le champ ouvert, il risque de devenir instable très rapidement. Ok. Simon, vous m'entendez? Tout est prêt. Simon! You, Simon. Simon est là. On doit aller dans ce qu'on appelle le monde frontière. Évidemment, pour nous, on sait que c'est Xen.
mais on va devoir aller dans un monde frontière. Ça veut dire que Barney Calhoun est le premier à aller sur Xen en tant que personnage jouable. Introduction. This Barney Calhoun is the first man it's the first player on the first step on the border world Xen. Not Freeman. Les capaciteurs principaux est chargé. Simon, libérez les verrous d'amortissement. Open the door. Le champ, il est ouvert. Calhoun, entrez dans le téléporteur. Oui. The science. Oh my god. Où suis-je? Ah! Merde. Yes, this is Barney Calhoun. We saw this character on the Half-Life 2. It's Barney Calhoun from Half-Life 2. Half-Life 2, I mean. Yes, it's Barney. A smell monster. Ok. C'est dégueulasse ici. Oh, we have two son. Now we know it's Barney. You play Barney Calhoun on Half-Life Blue Shift. Ok, je ne peux pas passer. Putain, on a une apesanteur lunaire quoi. We have a gravity lunar. C'est ça Xen. Pas top hein. Hello, motherfucker. Non mais là, je vais mourir, là. Là, j'ai 100%. Aïe. Saloperie. Je vais recharger à fond. Ouais, c'est bon. Je vais aller en MP5. C'est quoi cette musique? Putain, c'est un putain de gruyère. Y'a rien ici. Voilà. Ah! Connard! Putain, il a mis du temps à crever. Voilà. C'est un vrai putain de labyrinthe en plus cet endroit, je m'en souviens très bien. It's a fucking maze this part. J'ai plus de lampe. Ok, donc je passerai par là après. Je crois que j'ai fait une erreur dans les modes. C'est pas censé être un garde, c'est censé être un mec
Comment dire? Un mec en combinaison. C'est pas un garde. So that's why, if you see this is a mod. This is not exactly a security guard. This is a HEV, a man with a HEV suit. So why is a security guard? Because when you play Half-Life Blue Shift in Vanilla, you could see on the third person. In fact, you didn't see the Barney Calhoun in Blue Shift. We have a Gordon Freeman. I don't know why the reason, but I fixed that with this mod. But this mod change to the HEV suit on the Borderworld Zen. So that's why we're gonna see another security guard on Zen, and this is a biggest bug. So. My apologies if you saw that next time. En français, en gros, il y a les gardes qui sont normalement c'est des gens en combinaison HEV et en fait avec le mod que j'ai fait, le mod normalement on incarne Barney Calhoun mais dans le jeu en vanilla vous jouez un merde, non, je reviens en arrière. Vous jouez, quand vous êtes en troisième personne dans Blue Shift, c'est pas Barney Calhoun, c'est Gordon Freeman, parce qu'ils n'ont pas eu le temps de mettre ça. Donc c'est pour ça qu'il y a un énorme bug. J'ai fixé ça avec un mod, et le problème c'est que le mod il déconne parce qu'il remplace aussi les gens en combinaison HEV sur Xen, donc ça crée un gros paradoxe. C'est pour ça. Je suis paumé moi dans ce bazar là. Là je reviens sur mes pas. C'est plus facile de sauter. Attendez. Je vais faire du surf. Attendez. Ah c'est plus rapide comme ça, attendez. Ah. Nice surf. Je suis déjà passé là du coup. Il y a deux chemins, je vais prendre celui-ci là. Ok. Crabe de tête, head crab. Hello. Voilà. Ah, j'entends un healing pool. J'entends une piscine de monstres. Aïe. Ok, un cul-de-sac. Oh, c'est un bordel cet endroit. J'espère que la rediffusion sera stockée sur Twitch parce que j'aimerais bien le garder ce passage. Ouh! Tombé à l'eau. C'est un bazar ici. Histoire d'être sûr. To be sure. Ah non, je m'en souviens, il y a un easter egg ici. Je m'en souviens. We have a easter egg over here. Ok, il faut que je me rappelle comment c'est quoi l'easter egg. L'easter egg est dans l'eau, tout au fond de l'eau, et il faut casser un mur, et vous allez voir, on va se retrouver dans un milieu. C'est un easter egg assez sympa. Je l'ai trouvé depuis quelques années plus tard, mais vous allez voir. Attention. Hop. Vous allez voir. D'abord, il faut que je récupère ça. C'est encore un garde de sécurité, je sais pas pourquoi. Merde. Merde, 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 merde. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Vite, on va go remonter. On nage dans la boue. Hop. Je vais mettre 100%. Voilà, c'est bon. Et hop. On y retourne. Ah, c'est dommage que moi j'avais des combinaisons HEV sur en mode. Enfin que je les ai pas. Là, ici là. Dans cette petite fente. Come on. Yes.
So this is an easter egg. L'antre du chum Toad. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Oh, there is a snark. Des petites bêtes de merde. Ah, casse-toi. J'aime toujours pas ces bêtes. Hop, on plonge dans l'eau. Oh, je vais avoir du mal à ressortir. Allez, ressort. What did you say exactly? What is your emoji? Yeah, that's a good easter egg. Voilà, c'est bon. Hop. Recharger, voilà. Le MP5, c'est bon. Hop là. Alors d'ailleurs, je dois informer qu'est-ce qu'on fout ici sur Xen, c'est pour qu'on puisse libérer un champ qui va nous permettre de sortir plus facilement de Black Mesa. Donc c'est pour ça que on doit utiliser un champ qui est sur Xen pour essayer de le recalibrer, pour essayer de sortir de Black Mesa. It's a pony say hype. Oh, okay. I didn't see a hype over here. Des phases de plateforme. On va sauvegarder. C'est bon. Ah oui, mais c'est en mouvement le truc. C'est bon. Attends, là c'est trop haut. Ouh. C'est un vrai vide ici. Hein. Ah, je peux pas les tuer. Dommage. Quoi ça? C'est quoi cette remonta là? Oh, c'est trop hard les sauts. C'est trop hard ces sauts en plus. Reviens ici, get back! Oh non. Stop it! Arrête ça, Irisitas. Isu. Putain, c'est tellement dommage qu'on peut pas utiliser ces maps-là sur source. C'est tellement dommage. Hop. Oh non, merde. Bad save. I just want to no. Oh, this fucking mantis. Okay, there we go. No. Oh, bad save. Je vais réussir. Ah, c'est bon. Oh, je suis passé. Parce que cette rémantisse, elle nous dégomme. Ça va exploser là, non? Ok, j'ai pas... Oh, si, mais j'avais oublié que j'avais un lance-roquette. Goodbye. Pff, je suis nul. Et voilà. Done. Ok, just let me see... something... Oops, my bad. I just want to change something. Yeah, that's better. Thanks. Pourquoi est-ce que je voulais faire ça?
Why did I jump this this rock before this Mantis destroyed? Because I'm sure this is an Easter egg over here. Another. And this is a teleporter. And we have a much munition, ammunition. Just for that. Yep, on revient ici. If really necessary for that, I don't know. But I need munition. Là, je suis sûr que j'ai tout. Ok. Merde, j'ai pas 100%. Ah, non! Oh le con, oh, j'ai eu peur. Bah toi, attends. Toi, l'arrêt mental. Connard! Ça passe à travers en plus. Oh, il crée un bridge. Ok. Il a créé un pont. Génial. Paf. Je vais devoir aller aux toilettes. Vite fait. Je vais juste m'absenter quelques secondes. Come back in few. In few minutes, in few seconds, I want to make a music. Okay. I'm gonna make this this song. I come back. Permis de ramener des petits kangous, des petits biscuits, parce que j'ai vraiment faim et j'avais le besoin. Attendez, je vais switcher vite fait le jeu. Hop, on va prendre des petits biscuits. Ça, c'est un bordel sur mon bureau, je vous imagine même pas. Putain, mais je vais y arriver à casser ce truc. Ah. Ok. This is the time. Yes, this is the time for the lunch. Not my favorite, but I'm hungry. C'est pas mon préféré, mais j'ai faim. Ok. Why is fly? Is flying disappear? Oh pardon. Loupé. Un trou. Oui, allez hop. Encore dans la gadoue. Yeah. Ça va pas être bon. On est déjà à 2 heures de stream quand même. Ça va. On envisage à peu près 3 heures de stream. Ah, casse-toi. Aïe. Saloperie. Allez. Mais tu vas crever, voilà. J'adore cet endroit parce que c'est vraiment une comparé au
Half-Life 1, Xen est beaucoup plus approfondi que comparé aux autres extensions. C'est ça que j'aime bien. Ici, surtout. C'est ça que j'aime bien dans Blue Shift. Oui, goodbye. Attends, il va se faire bouffer là. Non, vas-y, fais-toi tuer par ça là. Merde, merde. Ouh là 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 là. Vas-y, fais-toi tuer par ce machin là. Oh non, il veut pas. Bon bah, fuck it. Oh, il a explosé sévère. Bon, où est-ce que je suis là? Je dois aller là-bas, je crois. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ok, un en moins, deux en moins, en moins. Hop là. Vous n'avez pas vu le garde. Oh non! C'est parti pour se ressourcer. 33%. Putain, j'en ai pas vu, quoi. J'ai plus de bière. Barney a plus de bière. What did you say in English? About that beer, right? It's me, Gordon. Barney for Black Mesa. You remember me with the beer? I had a date with my beer. That's the favorite food on Barney. Of Barney, I mean. Hello. Il est content. He's happy and now he's dead. J'adore ce passage parce que c'est vraiment. En fait, tu ne sautes pas pour une fois, tu montes. Oh bah tiens, on va utiliser ça, attendez. Attaque! What? Pourquoi il. Pourquoi il attaque moi? Ah! Casse-toi! Ah! Attaque! Il explode! He's dead, il a mal. Et toi? Aïe, arrête de me cracher comme une meuf sur TikTok là. Une michetonne là. Attends, tu vas voir. Ça marche ou pas ça? Hop. Hop. Oh. Attendez, je vais tester un truc. Ah, il va attaquer le. Where is he? Il est où? Je sais pas où il était, mais il est mort. Toi, t'es mort. Ouais, bah j'imagine que c'est là. Hein. La suite c'est par ici, c'est bon, plus de crevasses. I enjoyed the contact you put. I don't know what you exactly you saying. By the way, oh yes, I enjoyed. What content you talk about my stream? Or something else? Ah bah voilà, on y est. C'est ici le champ. C'est ce que nous disait le docteur Rosenberg. Qu'est-ce que c'est bordel? Tu n'es pas un garde de sécurité, tu es une combinaison CEH. Attendez, je vais juste faire un test. Est-ce que ça change?
Non, ça change pas. Je pensais, mais non, ça allait pas changer. Dommage. The bunny content and stuff. Yeah, but sadly, that's so weird. If my pony have the same cult of a security guard. No, it's not weird. No, it's a good thing. I mean, with donuts and beer. Putain, il y a du soin partout. Ah, les oreilles, ça pique. Attendez, il y a pas des soins ici? Attendez. I just want to make something else. This song is so weird. Ok. You ready of this song? Merde. I made this song to broke my heart. My heart. Ready? It's a little bit loud. c'est trop fort, attendez. C'est trop fort. C'est trop lourd, c'est trop fort. C'est trop fort. Ah, c'est mieux. C'est mieux. Ah, il faisait des prélèvements de cristal, c'est ça? Il prenait des cristaux. Bon, comment on fait marcher cette merde? Ok, comme ça. Il suffisait de demander. Ok. Et maintenant? Ok, d'accord. Now it's time to viser les champs. Yeah, I mixed the English and the French. Ok, c'est bon. Voilà. Ah, c'est bon, on a visé les champs, ouais! Ah non! Non! Oh, c'était si bien avant que ça soit de la merde! Casse-toi! Oh merde! Casse-toi, tu. Et tes insectes pourris là! C'est ahurissant comment je l'ai loupé! Putain, je l'ai loupé! Mais tu vas mourir ou quoi? Voilà. Tombe. Allez, vas-y. Et bah, ça c'est bon, ça c'est fait. Par contre, j'ai plus de soins. Ils m'ont décapité. C'est bon. Ils m'ont décapité de ouf. J'ai plus de vie. Pourquoi tu casses tout? Ok. Mais stop shooting him! Oh non, mais j'ai plus beaucoup de soins. Faut que je récupère le soin. Je vais redémarrer ça. Merde. Le soin. Oh, ce son est horrible. C'est bon? Ok. Merde! C'est mort. Ah non, j'étais presque. Ok. On n'en touche plus. Maintenant la suite. Oh non, on est obligé de faire tout le tour. Oh, maintenant. C'est bon. Maintenant, on va vite se casser d'ici parce que ça va péter. Hop là. Thank you.
lui s'est fait écraser comme une merde. Le soin, ça j'en ai besoin. Voilà. C'est bon. On a ouvert les champs maintenant. C'est bon, on peut rentrer sur Terre. Aïe. Connard. Non, hors de question, même pas en rêve. Hop, ouais, c'est bon. Ah, le son il est fort. J'assure que j'ai tout. Ouais, c'est bon. Attends, je recherche celui-là. Le magnum. Le globe. J'ai plus rien dans munitions, j'ai plus que 3 balles. Ok, sauvegarde. C'est parti. Là, on doit revenir en arrière. Ah, j'ai plus de balles aussi là-dessus. Cauchemar. Boum dans ta gueule. Oh. T'es plus très loin toi. Ah vous voyez, c'est efficace le fusil à pompe à longue distance. Me faites pas dire l'inverse. Y'a quoi, y'a ici là. C'est bon. C'est bon. Mission. Casse-toi. Y'a quelque chose ici? Non, y'a rien. J'assure que j'ai tout. C'est bon. Ok, chargement. Oh là, casse-toi. Je tue tout sur mon passage, hein. J'en ai rien à faire. Hop. Ok. Vous devez vous dépêcher. Le téléporteur est presque à court d'énergie. Ok. J'arrive! Oh! Bon travail, monsieur Calou. Vous inquiétez de ne pas pouvoir revenir. Bah oui, attends. Que vous soyez parvenu à faire fonctionner la machine, après tout. Le signal que nous recevons est suffisamment fort, mais j'ai malheureusement une mauvaise nouvelle. Quoi donc? Nos réserves d'énergie ont tout juste permis d'ouvrir le champ pour vous envoyer sur le monde frontière. Nous devons maintenir le téléporteur actif suffisamment longtemps pour permettre à tout le monde d'évacuer. Ok. Donc quelqu'un doit descendre au niveau inférieur pour rapporter une autre batterie. Quelques-uns de vos collègues sont descendus. Et nous sommes sans nouvelles d'eux. Je crains le pire. Oh, je dois encore y aller, c'est ça? Je déteste devoir vous imposer les choses encore une fois, mais vous devez comprendre que si personne ne descend, aucun d'entre nous ne s'en sortira vivant. De plus, vous êtes le mieux équipé de nous tous pour faire face aux dangers qui pourraient nous attendre. Avec 3 balles. Je vais vous montrer l'ascenseur qui mène au générateur. Suivez-moi. Ok, bah vas-y. Je suis le mieux équipé, bien sûr. 3 balles, ça va pas être nécessaire. Si vous avez des munitions ici, ouais, j'aimerais bien les prendre. Hein. Parce que là, j'ai à part un bazooka. Voilà, c'est ce que je dois prendre, une espèce de batterie. Qui vaut la ramener ici. Nous y voilà. En bas, vous trouverez les anciens générateurs qui alimentaient ce laboratoire. Vous devriez trouver ce dont nous avons besoin. Ok. Lorsque vous aurez mis la main sur une nouvelle batterie, assurez-vous qu'elle est chargée et renvoyez-la par le mont de charge. Bonne chance. Oui. Oh la vache. Désolé, hein. Je suis vraiment désolé, hein, de cette hygiène. Ok, maintenant notre mission, ça consiste à faire charger une batterie. Aller chercher une batterie. Et faire marcher de l'énergie. Oh non. Démarrer un truc ou quoi que ce soit pour faire de l'énergie. Et ensuite, utiliser cette énergie pour faire fonctionner une batterie qui permettra de nous faire sortir de ce pétrin. Goodbye, sucker. Arrête de le bouffer là. Oh non, on dirait du gore. Looks like a gore on deviantar.
Attends, je peux passer par là ou pas? Non, je peux pas. C'est pas par ici. Ah, j'ai eu peur. J'ai cru que ça se cassait. J'ai plus de soins en plus. J'ai plus rien. C'est bon, monsieur. Comment charger? Il y en a partout. Nous devons sortir d'ici. Reprenez-vous. Si vous ne parvenez pas à recharger la batterie, nous allons tous mourir. Attention! Sortez de là. Je peux me débrouiller. Ah! Ah non, il a tapé dedans. Je peux pas passer. Ouvrez la... Pour l'amour de Dieu, ouvrez la porte. Je vais rien faire, moi, je vais mourir. Ah. Ok. Oh, ça pue, ça pue. Ça sent pas bon. On va préparer un comité d'accueil. Préparez-vous. Tu vas voir si tu vas avec ton tir de merde. Aïe. Je vais mourir, je le sens. De HP. Me fait peur celui-là. Oh, headshot. J'ai plus qu'un seul HP. J'ai plus qu'un HP. Un HP. Toute la team m'a défoncé. Ah bah là c'est bon, je retrouve mes... Je retrouve un peu de vie là. Oh la vache. Oh c'était intense hein. Mais bon, je suis pas sûr que je vais survivre encore. Oh c'est rouge. Ce qui signifie, voilà, il faut que je fasse alimenter ça. C'est pour ça. Ah bah voilà, il y a du son là. Ah, ça fait du bien. Ça pue ici. Ça pue. Ouais, bah voilà. Oh. Merde. Oh non, c'est pas nécessaire. Voilà. Quel pute, il m'a balancé une lance-grenade. On va jouer avec ça. Allez, à table. Oh, ils l'ont eu. Ah, j'en ai plus. Personne s'en est sorti vivant dans cette affaire. Oh. Oh merde. C'était nécessaire ça, je suis pas sûr. Ouais. Il est mort l'autre. Bon, je sais pas si... Il est où le soldat? Ah, je pense qu'il y a moyen de passer là-haut, là.
Surprise, motherfucker! Il a continué à parler même quand il a explosé. C'était assez étrange. C'était assez étrange. Ah, mais non, mais je dois faire, je dois refaire démarrer le. L'augmentation. Ouais, c'est là. Ok. Ouais. Aussi. Oh! C'est bon. Putain, il reste encore un. Allez, ça c'est fait. Non, clairement là je ne peux pas passer. Attends. Non, c'est pas ça. Danger! Encore un qui a essayé de mettre une bombe et il a pas réussi à le déclencher, ce con. Bah écoute. Cela va de soi, on va le faire péter. Regardez. Regardez comment c'est intelligent la science. Ça fait un conduit, évidemment. Péter! Et voilà le travail. Attends. Je me gratte un peu la tête, attendez. C'est bon. Connard. Hop. Oh non, mais je vais recommencer depuis d'ici, attendez. Allez hop. Reviens ici, toi. Voilà. Il n'y avait rien ici de toute façon. Ça, je suis obligé de le casser, j'ai pas le choix. Voilà. Pété! Même le tonneau, il est parti. Hein. Ok, alors attendez. Il n'a pas eu le temps de spawner, il a disparu. Il a explosé. Ah, j'ai trop de grenades. Oh là, mais toi, t'es qui, toi? Merde. Je peux pas me gratter le nez sans que... sans qu'il se passe un truc. Casse-toi. Ah voilà, c'est ça. Je dois faire tourner cette manivelle pour faire descendre le... collant pump. Comme ça, on va pouvoir descendre en bas. Et non pas en haut. Bah tiens. Ça j'en avais besoin. Recharger. Ah c'est bon. Ah ! Connard ! I like this this Black Mesa, enfin this content of Black Mesa, because I don't know, we have a good lore about this extension. I mean, honestly, I like this, so that's why I like the Black Mesa, because we know how Black Mesa can teleport some men of the border world then. And because opposing force and the Half-Life original, we don't know exactly. We don't know exactly why he teleport some people on the border world then. Hop. En fait, ouais, comme je dis en anglais, moi ce que j'aime bien, c'est qu'en fait l'extension de Black Mesa. Les gens ils disent ouais c'est l'extension de trop. Moi je dirais non, parce qu'en fait ils permettent de faire découvrir qu'en fait les cristaux Xen sont vraiment indispensables. Bah, je disais que les cristaux
Bah alors. Citer ce putain de mob. Voilà. On peut maintenant? Ok. Donc je disais, oui, ce cristal, les cristaux Xen dans Blue Shift nous permettent d'apprendre qu'en fait, sont des moyens de champ pour les téléportations, pour rediriger mieux les téléportations, parce que sans ça, on n'a pas de point précis, comment se téléporter sur, sur Xen, enfin comment se téléporter d'un point A à un point B, et il faut savoir que maintenant on sait que Black Mesa utilise les téléporteurs pour, enfin d'un point A à un point B, mais ont besoin de cristaux pour mieux diriger ce point A à point B. Et ça, c'est toute la particularité de ce. I have a lean now, but I have a good rest of the stream, Brushy. Don't worry, Syntriax. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est pour ça que j'adore le Blue Shift, parce qu'il vraiment, il donne un côté, une expansion sur l'univers de Half-Life. Casse-toi, toi. Bah, il est résistant. Bam. Alors attention, j'ai pas intérêt à merdouiller. Sur le collant. C'est bon. Je sais plus ce que c'est du collant. Ouh. C'est bon. Salopard! Salopard d'alien! Là, il a pas survécu longtemps, lui. Oh, attends, je le vois là-bas. Là. Un headshot? C'est bon. Le grand schtroumpf m'a pas vu. Ouh! Allez, Chot, qu'est-ce que tu vas faire? Je sais qu'il n'y a rien ici, non? De toute façon, là, je peux pas aller là-bas. Oui, 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 oui. Ah oui, c'est pique. Quel con. Je suis vraiment con. Voilà. Donc, il me met dans la flamme, là. Comme un débile. J'ai deux QI sans déconner. Ok, toi. Voilà. Ouais, il faudra démarrer les chambres de contrôle. Vous n'aurez pas pu faire une chambre de contrôle un peu plus proche? C'est bon, il est mort. Unity 1 et 2. Ça marche bien ces trucs. C'est pour mélanger le. C'est pour faire un mélange. On va faire une bonne cuisine. C'est la cuisine du futur. Oh bah oui, c'est vert. Oh bah alors, hey, ça va faire charger mon ça peut recharger un téléphone en moins de 2 secondes, ça. Oh, moi je vais pas faire tout le tour. Ok. Merde. C'est ça que je voulais faire. J'ai la touche trop près. Ok, c'est bon. Maintenant, on va recharger la batterie. En espérant qu'il y aura pas grand monde maintenant. Ah oui, attendez, il faut que je vous montre ça. Il faut que je vous montre ça, ce passage-là. Car ça, c'est encore un easter egg. Il suffit de casser ça. Qui va nous permettre de conduire à un endroit pour du stuff. Ah oui, il faut que je... Attendez, avant de les prendre, je vais vous montrer. Alors vous voyez, ça ressemble à ça, mine de rien. Ça ressemble à des petits crabes à quatre pattes. Mais dans la version classe, dans la version HD, vous allez voir comment c'est la grosse différence qu'il y a. Et c'est dégueulasse. J'espère que ça va se voir.
C'est moche, hein. C'est... Ah, oh, c'est dégueulasse. Ah, je trouve ça dégueulasse. Du coup, ouais, ça, c'est... Je sais pas pourquoi c'est remplacé par ça. Mais, ah, oh, c'est... On dirait que ça sort d'un film Alien, quoi. Évidemment, le mec, il le prend dans la main. Et il ressort, des bébés comme ça. Mais bon, voilà, c'était juste pour vous montrer qu'en fait... Bah ouais, la version HD change vraiment littéralement ce truc là quoi. Hop. On va garder ces bébés au cas où. Hein. Ces petits snarks. Je vais tomber là. Ok, je dois passer. C'est là. Maintenant qu'on a de l'énergie partout, c'est bon, il y a tout qui marche. Nous, on s'en fout, le plus important, c'est de faire marcher la batterie. Ah, saloperie. Arrête d'essayer de me passer le doigt. Oh. Coucou. Merde, quel con, je viens de me faire péter la gueule. Oh non 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 non. Casse-toi. C'est bon. Il est mort. Je vais prendre ça. Ok, on a un téléporteur. On a une tourelle. Hop. Non, il est pas mort. C'est bon, je savais qu'une balle, ça les... deux balles, ça suffit amplement pour le tuer. Ah, chargeur, ça fait du bien. Enfin, un healing. Ah, oh, bah il est vivant, lui. J'espérais que vous viendriez. Vous devez trouver un moyen de recharger cette batterie et de la rapporter au docteur Rosenberg. Je vous aiderai avec plaisir si vous devriez pouvoir passer la si je veux... la barrière jusqu'à la borne de rechargement derrière moi. Laissez-moi voir si je peux me pousser. Attendez, je vais faire un truc. Alors attendez, je suis obligé de le faire. Il se passe quoi si... Alors, il faut mettre le chargeur dedans. Mais il se passe quoi si je me mets dedans? Oh non, 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 non. Non, 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 attendez. Je suis pas mort, putain. Non, 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 mais je voulais... Je vais me suicider. Ah, putain. Il se passe quoi si au final je peux... Attends, je vais essayer de voir si je peux ajouter... Il n'y a pas une caisse ou un truc comme ça? Genre quelque chose qui permet de... Ah, attends. Non, j'ai rien. Je peux rien emmener? Non, je peux vraiment rien emmener, quoi. Donc là, ouais, on revient en arrière. Parce que je veux essayer de voir si je peux me mettre à l'intérieur. Et il se passe quoi si t'es dedans? Attendez. Putain. Je suis trop loin. Ah, merde, mais je peux pas aller dedans, quoi. Ah, peut-être que j'irai après dans celui-là, je vais voir. Parce que je sais que de toute façon on peut se suicider en faisant ça. Je m'en souviens, je sais même plus comment j'ai fait ça. Ou alors attendez, j'ai réussi à bloquer. Est-ce que je peux bloquer? Voilà, je peux bloquer comme ça, ça passe ou pas? Voilà. J'ai bloqué la machine. Attendez, mais il y a moyen, je vous jure, il y a moyen. Allez, putain de batterie. C'est bon. Allez. Il y a moyen que je puisse me mettre dedans là. Allez, je suis assez grand là. Enfin, je suis assez petit. Putain. Arrête de casser. Il trigger à chaque fois quand il fait ça. Parce qu'elle est trop grande.
Une dernière fois, et si j'arrive pas, bon tant pis. Non, bah tant pis. Tant pis, dommage, hein. Je voulais essayer de faire un truc genre tu vas dedans et t'exploses quoi. Alors vous voyez les enfants à l'époque, et ben voilà comment recharger les téléphones et les batteries. Avec une technologie pareille. Alors qu'on sait que ça sert absolument à rien de faire ce genre de truc. Je ne vois pas une industrie aujourd'hui qui fait un truc comme ça. C'est pas possible. Oh, ce filtre vert. Ce filtre vert qu'on met autour du chargeur, quoi. Attendez. Merde. Attendez. F6. Ah, mais je peux pas aller dedans. Attends. Bon bah tant pis. J'aurais essayé mais tant pis. Bon lui il est mort. Allez hop. C'est bon, votre batterie elle est chargée à 100% là. Livraison Colissimo. C'est parti. Ah ouais d'accord, il y a carrément un grillage quoi. Bon allez on retourne, c'est bon. Par contre je suis presque curieux de savoir si... Je suis presque curieux de savoir si je peux passer là. Ah, je vais perdre de la vie là. Faites que je trouve du soin quand même. Putain, j'ai rien, j'ai pas de soin. J'ai vraiment fait ça pour rien quoi. On va se contenter. Hein. Je vais m'assurer si je trouve du soin un peu partout. Faut que je regarde. Là, j'ai fait le tour. Ok. Il n'y a pas un truc à charger ici là. Putain mais tout est vide. Ah je vous ai dit hein, j'allais faire le jeu en mode difficile hein. Je le fais en mode difficile. Ok bah j'ai trois bazookas. Je vais arriver, je vais avoir un bazooka. Il va me faire oh mais Kaloun, comment avez-vous trouvé ce bazooka? J'aimerais bien partir, mais avant de partir de Black Mesa, j'aimerais bien boire une bière. Vous avez réussi. Nous avons déjà commencé à préparer la machine avec la batterie que vous avez apportée. Oui, la batterie que j'ai apportée. La procédure est un peu plus complexe. J'ai besoin que vous veniez m'aider dans la salle principale. Dépêchons-nous, il n'y a pas de temps à perdre. Ok. Je pensais que je pouvais voir. Ah, attendez. Ah, voilà. Allez, profitons de ce... Voilà, le maximum, on est à 51%. Reste en bas pour surveiller les niveaux et diriger la procédure. Ok. J'ai besoin que vous montiez dans la salle de contrôle pour activer le générateur principal. Une fois que le processus sera commencé, vous devrez libérer les verrous d'amortissement à chaque fois que le système sera chargé pour que le champ de déplacement puisse s'ouvrir. Ouais. Ne vous inquiétez pas, monsieur Kaloun. La procédure est assez simple et je vous guiderai pas à pas. Ok. Bon, j'y vais. On va aller dans la station, qui est juste au-dessus. Combien de temps ça se passe dans le truc? Voilà, c'est bon. Très bien, attendez mes ordres, Kaloun. Ok. Une fois que le système sera initialisé, il faudra un peu de temps pour interpoler les fréquences de résonance et procéder au réglage. Pipi papou pilipop. Oh merde. Le principal du système de refroidissement a lâché. Kaloun, allez jusqu'à la barre qui est sur la passerelle et libérez la pression. Vite, avant que le système ne surchauffe. Mais je veux bien là. Bah voilà. C'est pas le moment de jouer. Bien, continue à tourner la barre. C'est pas le moment de jouer. Ah. Ta gueule. Le système est stabilisé et les capaciteurs principaux se chargent. Putain, il m'a fait peur, va. Ok, c'est ça quoi. On va pouvoir se casser d'ici, enfin, mais sans bière. C'est triste, j'aurais pas de bière. Je peux emmener une bière, s'il vous plaît. Oh. C'est bon.
Vas-y Walter, pas Walter, Walter. Oh dis donc, c'est une procédure très très longue. Hein. Voilà ce qui se passe quand tu fais démarrer un Windows 2000, c'est mis en vue de grand. J'ai entendu un truc là. Ok, ouais. On va être 4 à partir, c'est ça? C'est bon, Simon est parti maintenant. Ah, du coup, il nous reste plus que deux. Prochain à partir, monsieur Galoun. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai réglé le système pour qu'il lance automatiquement la séquence de chargement dès que je serai passé. Attendez seulement que les niveaux soient pleins pour ouvrir le champ. Ok. J'ai un mauvais pressentiment. Ah non, mais j'entends des militaires. Ah, ça va être de la merde. Bon bah allez hop. Mais pourquoi tu fais tout le tour? T'es con. Ok, ça va chier. Moi je vous dis ça va chier. J'ai mon lance-roquette ou pas? Vite, 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 dépêche-toi, dépêche-toi. C'est bon. Allez, on se casse! Oh non, j'ai les petites bêtes qui me suivent! Non! Merde, ça a pas marché. Fais chier. Oh non, mais non, c'était la fin en plus. Ok. Lance-roquette. C'est un peu chaud d'utiliser le lance-roquette. Mais là, c'est parce que les petites bêtes, elles sont pas sautillées sur la porte là. C'est ça le problème. Je vais tirer sur celui qui est au fond. C'est bon. Merde. Merde, 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 la porte là. Vite, vite. Aïe, 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 aïe. Oh my god. Le voilà. Galoun, vous êtes arrivé. En ne vous voyant pas venir tout de suite, nous avons pensé... Oh mon dieu, quelque chose ne va pas. Simon, regardez Galoun. Son corps semble être dans une sorte de déplacement de résonance. Déplacement de résonance? Je suis où là? Vous y êtes parvenu. Je craignais que quelque chose se soit produit au dernier moment et que vous ayez été pris dans un reflux harmonique infini. Mais nous avons eu de la chance. Grâce à vous, nous avons réussi à faire fonctionner cette idée. Nous avons réussi, monsieur Galoun. Nous avons réussi. Oui. Nous avons réussi. C'est bon, on se casse. Sans bière. C'est triste. On serait pas parti avec notre bière. Et ben voilà. Et ben voilà, on l'a fait. De A à Z, ce Half-Life Blue Shift. Avec des easter eggs et plein d'autres trucs qu'on a montré plus ou moins, quoi.
faite avec Gearbox. Qui à l'époque faisait ce genre de jeu. Mais en fait de super gros contenu sur Half-Life. Et franchement c'est pour ça que j'adore. Est-ce que en fait les jeux qui ont fait Gearbox, à savoir Opposing Force et Blue Shift, sont-ils des canons? Et ben ça on le saura jamais puisqu'ils n'ont jamais donné de réponse à ce sujet. Mais en vrai, je suis content. Voilà, on a fait un jeu, on l'a fait de A à Z, ça c'était super. Et ben écoutez, un remerciement spécial à je ne sais pas qui. Franchement c'était un très bon contenu. Et on se reverra pour une prochaine. En tout cas, j'espère que voilà, ça vous aura plu. Ça a été très dur et pourtant on l'a fait en mode difficile. On l'a fait en mode difficile. Et on a réussi. J'aurais pas mangé tous mes petits biscuits, mais je pense que je les mangerai après le stream. Il est quelle heure? 17h30. Voilà, c'est l'histoire de Barney Calhoun. Avant qu'ensuite on sait que la suite de Barney, on le voit dans Half-Life 2, où il suit les événements, en fait il arrive à intercepter Gordon Freeman 20 ans plus tard. Bon bah voilà. Eh bah écoutez, je pense qu'on aura fait le tour de Blue Shift, bien que de toute façon on peut pas aller plus loin. Voilà. Ah non, c'est bon, ça... Ah oui, j'ai pas de rechercher serveur ou un truc comme ça. Non. Eh bien, écoutez, c'était un bon mode. Un mode que je voulais vous présenter. J'avais toujours voulu vous le montrer. Et en espérant que ce stream, voilà, était un stream pour vous remettre un petit peu au goût du fait que j'avais pas fait de stream la semaine dernière. Et que j'avais de l'opportunité. Mais là maintenant c'est bon, j'ai fait un stream. Et cette fois-ci j'espère refaire un demain. Et cette fois-ci on fera peut-être Half-Life. Mais pas de A à Z. Ce sera parce que le premier Half-Life est assez long. Et ensuite après on fera sans doute on terminera avec soit Opposing Force, soit Half-Life Decay. Mais de toute façon les deux vont y passer. Mais je pense que Decay je sais pas. Parce que c'est un mode cop, donc il faudra que je trouve quelqu'un avec qui je peux y jouer en même temps. Sachant qu'en plus les serveurs ils déconnent plus ou moins, donc on sait pas trop quoi. Ça je peux pas vous promettre un très grand live ou un truc comme ça, mais ça, je sais pas. Faut que je regarde ça de plus près. Et dans ce cas-là, il me tarde pour moi de vous laisser là-dessus. Et merci d'être venu sur ce stream. Je vous donne rendez-vous sans doute demain pour continuer, mais cette fois-ci avec Half-Life 1. Et c'était l'aventure de Barney Calhoun avec sa bière. Et sur ce, je vous dis à une prochaine. Ciao. Ciao à toutes et à tous.